Salut à tous, bienvenue à Guillermoz pour cette rencontre de rugby qui est un derby ce soir en perspective entre évidemment l'USRP, vous avez reconnu que nous sommes à Guillermoz, contre le Roc. Salut Gilbert, comment tu vas ? Bonjour, bonsoir à tous puisque c'est samedi soir. Effectivement aujourd'hui la rencontre se déroule le samedi, elle a été avancée pour des raisons souvent pour attirer beaucoup de public pour ce match. Tout d'abord je voudrais commencer en parlant de nos amis albenaciens qui se déplacent demain à Mâcon, donc match très important pour Aubenas pour ne pas se faire distancer par le trio de tête puisqu'ils sont ex-aequo avec 27 points avec Chambéry et Bourg-en-Bresse. Et une victoire d'Aubenas à Mâcon arrangerait aussi le Roc puisque le Roc est toujours avec zéro victoire, ce qui permettrait de ne pas se faire distancer par la première équipe non relégable. Ensuite, on va parler du match, ce fameux derby entre l'USRP et le Roc Lavoul Valence. Donc on sait combien ça compte pour les deux équipes, puisque Romans est classé 5e, donc est sorti des équipes qualifiées, avec 5 points de retard sur la Seine, et derrière le Roc, toujours à la recherche d'une victoire. J'espère, suite à la conférence de jeudi, que Jarré Roussel, l'entraîneur du Roc, a joué un peu d'intox en annonçant qu'il préparait plus le match de Strasbourg que celui-ci. J'en doute et je l'espère. J'espère qu'on pourra aussi assister à une très très belle rencontre de rugby et que l'enjeu ne prendra pas le dessus sur le jeu. Mais bon, on verra ça d'ici 80 minutes. Voilà, d'ici 80 minutes, c'est le temps qu'il vous faudra pour passer un excellent moment sur Mistral TV pour cette rencontre qui est donc un derby de rugby cet après-midi. Bonne soirée à tous et à plus tard pour nos commentaires alors. Merci à tous, à tout à l'heure. C'est vous qui vous déplacez, vous choisissez rouge ou bleu ? Bleu. Bleu, c'est vous qui lancez. Donc c'est rouge, hein ? Vous avez le choix, c'est un coup d'envoi. Il a dit bleu ? Tu dis bleu, moi. Ah, pardon. Ah, pour le coup d'envoi. Coup d'envoi, le terrain ? Ouais, je vous dirai ça. Vous verrez quand vous rentrez au vestiaire hein, ou on va vous chercher l'information. Pas de problème. Ok, est-ce que vous avez des questions particulières ? Non, c'est bon, peut-être. Non, ouais, c'est bon. C'est bon ? Ouais. Bon match. Vous pouvez au vestiaire, hein, bon match. Hein. D'accord. Bon match. C'est bon, vous êtes prêts ? Ouais, allez, on passe vous voir. Oui, les trois sont dehors. Ouais, ouais, ça part trop tôt. C'est bon ? Allez, c'est bon. Alors, vous pouvez venir. C'est bon. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Mistral TV. Donc bienvenue au stade Guillermoz pour cette rencontre de rugby, pour ce derby cet après-midi, cette fin d'après-midi en tous les cas, qui va opposer évidemment, et vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, l'USRP, donc le bon club de Romans, et contre le Roc, mon cher Gilbert, donc le Roc, la voulte Valence maintenant, et vous l'aurez tous compris. Oui, bonsoir à tous, effectivement, pour ce match, ce fameux match attendu par tous les supporters et tous les téléspectateurs de Mistral TV, ce derby tant attendu entre l'USRP et le Roc. Donc on connaît la situation au classement des deux équipes puisqu'on a l'USRP qui a besoin de points impérativement pour éviter de se faire décrocher au classement par la Seine qui est le dernier qualifié avec 20 points, donc 5 points de retard pour Romans. Et on connaît tous la situation du Roc, bon dernier avec seulement 2 petits points et déjà 9 points du premier non relégable. Donc un calendrier compliqué pour le Roc et aujourd'hui il va falloir que les deux équipes, je pense qu'on va assister avec une rencontre avec beaucoup de je perds mes mots, d'engagement physique, voilà. Pour justement essayer d'avoir une victoire et des deux côtés qui devient aujourd'hui impérative. Voilà, victoire évidemment impérative pour le Roc, mais bon, c'est sans compter aussi sur l'USRP, hein, qui, comme tu le disais tout à l'heure, Gilbert est 5e, hein, qui a besoin aussi de raccrocher le peloton de tête pour ne pas se faire trop distancier après les belles explications que tu nous as données lors de la présentation de cette rencontre. À partir de là, on risque d'assister à une superbe rencontre cet après-midi. En tous les cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, hein, chers téléspectateurs, c'est tout ce qu'on nous souhaite, nous, les amoureux du rugby, sur Mistral TV. Voilà, on va vous présenter un petit peu et bien les joueurs qui vont s'affronter cet après-midi au stade Guillermoz sur cette belle pelouse. Avec pour le Roc en numéro 1, Turel, en numéro 2, Assensi, numéro 3, Oliver, numéro 4, Passaportis, numéro 5, Bardos, numéro 6, Manoa, numéro 7, Pearson, numéro 8, Tiatia, numéro 9, Canberra Béraud, capitaine, numéro 10, Bar, numéro 11, Onutu, numéro 12, Labi, numéro 13, Tuile Vuka, numéro 14, Bessagal, et numéro 15, La Fontaine, mon cher Gilbert. Voilà. Pour l'équipe de l'USRP, on aura en numéro 1 Yaptef, numéro 2 Larieux, numéro 3 Martin, numéro 4 Gouma, numéro 5 Souquet et capitaine, numéro 6 Fontaine, numéro 7 Viania, numéro 8 Soketa, numéro 9 Faltrep,
numéro 10 Kinez, numéro 11 Vernissa, numéro 12 Jaouer, numéro 13 Lacour, numéro 14 Pongy, numéro 15 Mej. Les arbitres de la rencontre sont au centre M. Guillaume Biroban du comité de Bretagne et à la touche, comme samedi dernier au Roc, de Bourguignon. Nous avons Cédric Pasteur et Christian Oliver, le représentant de la Fédération Française de Rugby, M. Philippe Duard du comité d'Auvergne. Et rapidement, l'entraîneur du Roc, c'est Jarry Russell et l'USRP, Olivier Nière. Une minute de silence, Gilbert, pour les attentats de Paris de la semaine, d'il y a deux semaines. Voilà, donc 7 minutes toujours aussi relative à cette tragédie, hein, Gilbert, avec les incidents dont nous avons déjà parlé hein, la semaine dernière lors de cette rencontre entre le Roc et Chambéry. Bien évidemment, et c'est on ne peut plus normal, suite notamment à cette cérémonie hein, qui a eu lieu hier à Paris, justement pour commémorer en tous les cas les souvenirs, en tous les cas, ces souvenirs que l'on a conservés, que l'on gardera de très mauvais souvenirs, malheureusement. Mais en tous les cas, c'était nécessaire de marquer le coup sur ces événements. Voilà, allez, on va se recentrer sur cette rencontre maintenant, avec un match qui va débuter dans quelques secondes, donc les Rocs qui va jouer en bleu et l'USRP comme d'habitude hein, en damier noir et blanc. Gilbert, oui, effectivement, l'équipe des damiers sous ses couleurs habituelles et le Roc avec en bleu aujourd'hui pour rencontrer cette équipe romanaise avec madame le maire qui vient de donner le coup d'envoi de la rencontre. Tour de péage. Donc j'espère qu'on va assister à une magnifique rencontre de rugby. On sait que les derbies sont toujours un peu tendus, mon cher Roger, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal puisque ce sont deux équipes qui se connaissent très très bien. Et on va voir maintenant le coup d'envoi qui va être donné par l'USRP. Et oui, madame le maire de Bourg-de-Péage, parce que effectivement les deux maires sont représentés ici ce soir, hein, puisque c'est l'USRP, R comme roman et P comme péage. Effectivement. Allez, un coup d'envoi là, qui va être donné dans quelques minutes, dans quelques secondes maintenant, par Roman qui a remporté le toss. Allez, et voilà, c'est parti. C'est parti, Gilbert. Allez, long ballon avec une récupération de Passaportis. Et premier regroupement. Avec un ballon qui va sortir maintenant. Camera Béro. Tape devant avec une récupération de Mej qui vient tout de suite. Avec le soutien de Soketa, tout de suite. Bien, Soketa, voilà. On franchit le rideau, on continue d'avancer côté romanais. Voilà. Ouh, avec un mauvais ballon là, on joue du coup. Il y a un avantage. On joue du coup et on revient sur l'avantage. Voilà, un en avant. Monsieur l'arbitre. Et cette première mêlée, Roger. Et oui. Cette opposition de force qu'on connaît bien. Maintenant, sur Mistral TV, on voit les deux paquets, comment ils se comportent. Absolument, absolument. Allez, avec cette, comme tu l'as dit, hein, cette toute première mêlée où l'on va introduire du côté de Faltrept, visiblement pour Roman. Faltrept qui avait fait un match extraordinaire contre Strasbourg, hein, notamment, je ne sais pas si tu te souviens, Gilbert. Tout à fait, Roger. Énorme match de ce joueur. Alors, première mêlée écroulée là. Allez, les joueurs vont prendre leur marque. J'espère que monsieur l'arbitre fera appliquer les consignes fédérales et qu'on n'ait pas des mêlées à répétition. Du moins, je l'espère. Voilà les joueurs qui se remettent en place. Allez, avec un
conditions météo hein, qu'on n'a pas signalé, qui sont au beau fixe hein, quand même, hein, sans vent. Quelques gouttes de pluie ce matin, donc le terrain risque d'être un petit peu glissant avec le ballon et l'arrosé. Voilà, avec une nouvelle pénalité. Et c'est la première pénalité pour Roman et on va la jouer, je pense. Est-ce que on la tente. Non. On va la tenter visiblement. Non, on va taper en touche. C'est le numéro 10, Kinez, qui va se rapprocher là de la ligne de but du Rock. Sur cette première mêlée qui voilà. Est tombée. Voilà une petite touche trouvée. Mais on joue dans le camp eh bien, des joueurs de la Voult Valence maintenant. Et j'ai envie de dire, on s'installe tranquillement, ouais. Sûrement. Hein. Ça a débuté tout doucement cette rencontre, effectivement. On se teste un petit peu. J'espère que ça va s'emballer un peu. Bon, et que ce ne soit pas une rencontre ennuyeuse. Bon, je pense pas, en tous les cas, c'est ce qu'il faut espérer. Mais... Et le lancer qui va être effectué par l'Arieux pour l'USRP. Allez, voilà, avec une première récupération de Viania. Voilà, on rentre de suite. Un gros tampon. Oh ouais, mais ballon toujours disponible. Kinez. On fait une sautée sur Soketa. Et là, c'est le numéro 14, Pongi. Pongi qui. Ça sort de suite. Faltrep, Kinez. Et Yaptef qui rentre sur le rideau défensif du Rock. Et ça continue, Kinez. Ouais, voilà, une défense, plaquage raté là de. L'habit, mais. Il y a le deuxième rideau qui était présent. Et c'est une. Toujours le ballon là. Une balle qui va sortir, voilà, voilà. Qui est fait pour les. Bon grattage avec Manoa maintenant. Allez, avec une maintenant. Une avancée des bleus de la Voult Valence. Tu l'es Vuka qui vient un petit peu. Cambera Bero. Mettre. Katia. Mettre le feu, mais on recule. Bessagalé maintenant qui arrive à passer. Ah, et on perd le ballon en avant. On lâche en le avant. Ballon. Et voilà, en avant de Bessagalé là. Et ça n'a pas échappé à monsieur l'arbitre Guillaume Birban. Birban, oui, du comité de Bretagne. C'est la première fois qu'on a un arbitre breton, originaire de l'Ariège. Mais oui, c'est donc, ça, j'entendais. Il me semblait bien avoir entendu oui, effectivement, un petit accent. C'était pas un accent breton, effectivement. qui nous a permis d'assister comme. Tous ses prédécesseurs au TOS avec la caméra de Mistral TV. Oui, c'est ça. Tout à fait. Alors, avec un arrêt de jeu et. L'Arieux qui est resté au sol. Qui a pris un coup sur le regroupement précédent et qui a un petit peu du mal à se relever. Non, mais voilà. Mais il est solide. C'est un bon gaillard. et du coup, voilà, on va se recentrer maintenant sur cette mêlée avec toujours cette introduction de l'USRP par Faltrept. Voilà, on va observer cette seconde mêlée puisque la première eh bien, s'est vue envoyer une pénalité à Roman suite à deux mêlées écroulées. Voilà, ça rentre au contact. Voilà, on y va. Voilà Faltrept qui vient d'introduire. Ouh là là, c'est un ballon qui devrait sortir. Attention de ne pas se mettre hors jeu du côté des joueurs du Rock. Le rideau défensif qui monte très très vite. Avec Soketa là qui. Kinez maintenant. Ah mais ça tient debout, ça avance toujours du côté de l'USRP. Oula. Attention de ne pas tout envoyer voler là du côté de l'USRP. Kinez, au contraire, voilà une nouvelle progression des Damien Romanet là, mais on tient bien, Gilbert, on tient bien. Et c'est une pénalité. Guyana qui a été pris par la patrouille. Qui a plongé. Et une première pénalité pour les joueurs du Rock, du coup, Gilbert. Et je pense qu'on va peut-être la tenter. Oh, elle est loin, elle est loin. Complètement en coin, elle est pratiquement à 50 mètres. Donc, je vois l'habit d'ailleurs qui vient voilà, prendre qui va taper en touche pour la jouer bien sûr. J'espère que le Rock a pu régler ses problèmes de lancer entre lanceur et sauteur. Voilà une toute petite touche trouvée là d'une dizaine de mètres. Eh bien écoute, c'est ce à quoi je voulais venir. Tu viens de l'annoncer, on a vu énormément de fautes dans touche lors de la rencontre contre Chambéry. On espère qu'Asensi maintenant va pouvoir en tous les cas réaliser cette touche en combinaison et réussir d'une certaine manière à récupérer ce ballon. Voilà. Ah non, allez, encore un ballon roulé. C'est très très compliqué encore. Hein. On voit que. Voilà, ces automatismes sont toujours pas là sur ces lancers, sur ces ballons importants. Voilà, Kinez qui va monter une chandelle. Voilà, les chandelles là avec. Attention, Bessagalé qui va être à la réception. Ouais, et qui récupère ce ballon alors que. Voilà, on avance du côté de Bessagalé là maintenant. Attention de ne pas se mettre.
Et maintenant c'est La Fontaine. La faute du côté des Romanais. Et ça sort immédiatement. Tia. Ça passe par le sol et de suite. Allez, nouvelle contre-attaque. Là, Tulivika qui tente de prendre l'intervalle. Il y a un ballon qui va être sorti. Cambera Bero. Asensi maintenant. Avec Asensi qui va créer le regroupement à nouveau. Il faut libérer ce ballon. Il faut libérer ce ballon. Voilà qui est fait. Allez, Cambera Bero. Passe à Portis maintenant. Passe à Portis qui doit aussi libérer à son tour. Et pénalité. Voilà, on est venu à la faute là du côté de Romain, Gilbert. Ouais, on est venu couvrir là le ballon. Donc on a retardé la sortie du ballon et c'est une première pénalité bien placée, environ 35 mètres, légèrement décalée. C'est le capitaine Souké qui vient pour les infos. Je vois aussi Martins là qui est dehors là, du côté de Romain là, qui va y avoir un remplacement. Et c'est le numéro 23 qui devrait rentrer, les eaux. Ouais, suite au gros tampon hein, qu'on a reçu là. Ah. Il a l'air de boiter. Ça, c'est un coup dur quand même pour Romain. Une première blessure. Ah, oui, et on voit aussi Yaptef là, les deux piliers. Oh, il est KO. Il est KO notre ami. J'ai pas vu. Si c'est. Ah mais je pense qu'il a pris le tampon il y a deux minutes là. C'est Larieux, oui. C'est pas Yaptef. C'est Larieux, Larieux. Ouais. Et c'est le numéro 16 qui va le remplacer. Granel. Il a pris un coup dans le foie tout à l'heure. Il s'est relevé difficilement. On l'a vu chercher ses marques de manière répétée et sans forcément les trouver. Et là, on voit avec l'intervention du médecin. Et ouais, notre ami Larieux là, qui a quand même pris un sacré tampon tout à l'heure, notamment avec Cambera Bero qui va tenter à cette pénalité maintenant. Et c'était sur la charge de Bessagalé exactement tout à l'heure. Allez, Cambera Bero maintenant avec cette pénalité qui complètement ratée, qui passe à gauche. Ouais, ça va être en bas au 22 maintenant pour l'USRP. Allez, il va falloir récupérer ce ballon, Gilbert. Et le jouer, tenter des coups du côté des Bleus. J'espère que ça va aller là pour les deux joueurs romanais. Là. J'espère. Lario reprend un peu ses esprits. Ouais, il va falloir qu'il reprenne. Allez, Bessagalé qui va, comme à son accoutumé, sonner la charge. Et monte une chandelle. Tape dans les airs. Avec Soketa. Et Soketa qui fait une faute de main. Il n'y a pas d'en avant, donc ça continue. Les Romanais ont récupéré le ballon toujours. Et on avance encore du côté des Romanais. On tente l'intervalle là. Oui, mais on est tout de suite pris. On est tout de suite pris par le rideau défensif. Et toujours maintenant avec Pongi, pardon. Alors que Bardos a fait une envolée. Allez, on va taper probablement. Voilà qui est Kinez, fait. Qui allume une chandelle là dans le ciel romanais avec Bessagalé. Elle doit redescendre plein de neige. Bessagalé là qui prend. Il a pris au moins deux joueurs romanais sur le dos. Il faut se relever. Voilà qui est fait maintenant. On avance doucement. Cambera Bero sur le petit côté. Voilà le ballon. Et avec encore une pénalité. Une pénalité pour le Roc. Une faute romanaise. Alors explique-nous un petit peu là. C'est le joueur qui reste pas sur ses appuis et qui vient couvrir pour ralentir la sortie du ballon. Voilà, et donc évidemment c'est interdit. Et évidemment, attention messieurs, de ne pas vous mettre trop à la faute. Puisque c'est là. On a vu le petit Turel aussi là qui a eu du mal à se relever. J'ai l'impression que c'est pas la soirée pour les piliers aujourd'hui, pour les joueurs de première ligne. Oui. Avec un terrain qui est probablement, comme tu l'as souligné tout à l'heure Gilbert Gras, avec la pluie qui est tombée un tout petit peu ce matin, mais ça peut suffire hein, pour avoir des appuis qui sont moins relatifs comme ceux et que surtout l'on le ballon trouver, glissant donc comme, le Roc qui vient tout doucement là sur la touche comme ceux que l'on peut trouver lorsque avec une touche sec avec une touche raccourcie puisqu'on a 5 joueurs dans l'alignement. Allez, Asensi là qui va faire cette mise en jeu. Allez, il faut très belle prise de balle avec un mol maintenant qui se forme Gilbert. Et voilà, on vient en appui maintenant avec un ballon qui sort avec Cambera Bero. Manoa qui avance. Va pouvoir libérer. Cambera Bero. Barre. On va jouer sur le petit côté. Voilà maintenant avec une action dangereuse. On avance du côté du Roc là, ça devient dangereux. On est à 2-3 mètres là de la ligne d'essai. À peine. Un avantage. À peine Gilbert, à peine. Et pénalité.
pénalité. Voilà, ça s'échauffe un peu là-bas. Allez messieurs. Juste devant notre caméraman en plus. Et on vient donner les marrons. Non messieurs, on stoppe ça. On n'aime pas. Ah, il faut finir à 15 messieurs de la discipline. On n'aime pas ça. Oh là 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 là, mais arrêtez messieurs là. Stop, il va falloir sévir. Aïe, là. Monsieur l'arbitre, s'il applique la règle, il va y avoir du monde à la douche. Avant la fin de... après cet incident. Ça serait dommage parce qu'on a à peine commencé, ça fait 15 minutes de jeu très exactement. Enfin 12 minutes pardon, très exactement. Aïe, je suis un peu inquiet là, monsieur l'arbitre va appeler les capitaines je pense. Il va y avoir... Attention. On va voir la décision de monsieur l'arbitre, il appelle les capitaines. Ouais, non, mais bon, il n'y a pas eu de geste vraiment virulent, mais... J'ai quand même vu des marrons, quand même, Gilbert, on s'est mis quelques... On était loin. Moi, je préfère ne pas les avoir vus. Oui, mais moi, je les ai vus, malheureusement, j'en ai vu quelques-uns. Ah, quelques-uns. Monsieur l'arbitre appelle les joueurs. Et il va au moins y avoir un carton jaune minimum, et attention de ne pas prendre... Juste une réprimande, on va voir. Ah, il a sorti la pochette. Ah, c'est un carton jaune. Et oui, Gilbert... Premier carton jaune Romanais. Et oui, on est venu chauffer un petit peu là du côté Romanais, ce qui est dommage. Je crois que c'est Faltrep qui a écopé de ce carton. Oui, Faltrep, oui, qui est quand même en plus une pièce essentielle dans le dispositif Romanais. Dans le dispositif Romanais. Je crois que c'est lui. Et il va y avoir une touche là. Et oui, on va à 5 mètres. À 5 mètres de la ligne. C'est Jaouer. C'est Jaouer qui a été... Pas Faltrept. C'est Jaouer qui a pris ce carton, le numéro 12. Voilà une touche après à deux mains. Allez, belle prise de main avec un mol là qui s'organise du côté du Roc et on vient bousculer cette équipe romanaise là. Et on avance toujours Gilbert. Et un avantage en cours pour le Roc là qui donne tout ce qu'il peut pour tenter. Et c'est de pénalité. Et attention pour cette équipe romanaise de ne pas rentrer dans le jeu qui serait négatif parce que il pourrait en prendre des points. Hein, il pourrait en prendre. Donc voilà, monsieur l'arbitre a pris sa décision, un essai de pénalité accordé. Donc voilà les 5 premiers points là pour le Roc La Boule Valence. J'espère qu'on aura des essais, mais que ce soit pas seul arbitre qui soit obligé de les marquer, de tous les marquer. Voilà, c'est transformé par Canberra Béro. Alors, si c'est bien peut-être la première fois, Gilbert, que le Roc marque un essai avant son adversaire. Peut-être contre Vienne, c'était arrivé. Ils avaient marqué contre Vienne. Mais on a enfin vu un essai, si tu veux, sur un lancement de jeu, sur une touche, oui. Où le ballon a pu être exploité convenablement. C'est ça. À 5 mètres de la ligne, puisque habituellement, souvent, le Roc perdait ses ballons importants. Donc, on voit l'importance et surtout le fait que l'USRP sont à 14, je le rappelle, suite au carton jaune de Jaouer. Et voilà, le coup de pied qui va être donné maintenant, la remise en jeu par Kinez. Allez, Roc 7, USRP 0. Allez, un ballon voir. De récupération, passe à Portis qui dévie le ballon et ouais, ça sort en touche. Passe à Portis qui a malheureusement mis ce ballon en touche. Et c'est une cartouche là pour le SRP finalement. Mm-hmm. On va voir un peu la réaction qu'ils vont avoir. L'Arieux est revenu en jeu. Ouais, ça va mieux pour l'Arieux du coup. Tant mieux. Voilà, après avoir été un petit peu sonné là sur cet impact. Ouais. Et pour Roman pareil, une touche raccourcie. 5 joueurs. Bon joueur en plus que Solarieux. Voilà le lancer. Belle récupération de balle là avec un mol maintenant qui s'organise. Oulala, qu'est-ce non, que. Non, il n'y a rien, le public. Pénalité, Gilbert. Non, c'est dans un deuxième temps. Mais dans le premier temps, voilà, ils ont formé. Ça joue rapidement. Ils ont formé un mol, mais comme il n'y avait aucun joueur au contact. De ce mall, automatiquement le joueur pouvait faire le tour puisqu'il n'y avait pas d'hors-jeu, il n'y avait pas de ligne d'hors-jeu créée. Et c'est seulement après et on se dégage. Récupération. Et oh, avec
Oh là là, très très beau tampon de notre ami Bessaga là, qui a tout de suite, excuse-moi Gérard, Gilbert, tu as pas pu terminer ta phrase, mais... Voilà le ballon qui sort trop rapidement là, et Carberabero qui prend Vugna sur, sur le rable. Oui, il va aller mieux qu'il s'en dégage de là. Hein. Voilà, ça s'énerve un petit peu là. Et les gars, il faut vous remettre au jeu, vous reconcentrer sur le jeu. Écoute Gilbert, Bessaga, je trouve qu'il fait un début de rencontre tonitruant. Il est sur tous les coups, sur tous les ballons. Il est monté très très rapidement. Absolument. Justement sur cette chandelle. Ouais, ouais, ouais. Et là pour le coup, il a mis très très en difficulté le réceptionneur là. Le roman. Et c'est Larieux qui va effectuer cette remise en jeu. Voilà, on sent beaucoup de tension là sur cette rencontre. J'espère que les joueurs vont se reconcentrer sur le jeu. Allez, voilà le lancer avec Vianna. On connaît ses qualités de sauteur. C'est très bien joué là pour du côté. Ils avaient du mal justement à effectuer cette phase de jeu. Kinez, Soketa qui transperce là, qui continue à avancer là sur le rideau défensif, et de suite Kinez avec Nathan Vianna. Vianna qui vient créer un nouveau regroupement. On essaie d'avancer du côté voilà, de Faltrep. Faltrep qui passe là dans un trou de souris. Oh, il s'avance et ça avance, Gilbert. Très très belle progression des Damien Romanet là, qui se voit récompensé d'une pénalité suite à cette belle avancée. Ils ont bien pris 10 mètres quand même. Hein. Ah, même plus de 10 mètres, c'est Faltrep qui est passé dans un petit trou de souris et qui a mis en difficulté la défense du Rock. Et donc derrière le Maul qui s'est formé, qui a progressé, et un joueur du Rock s'est mis à la faute en rentrant sur le côté pour justement essayer de faire tomber ce Maul qui progressait. Et c'est une pénalité très bien placée. Évidemment. Je crois que c'est Vernissa qui va s'y coller. Oui, tout à fait. Évidemment, on va la tenter. Hein. Forcément, on est suffisamment proche là. Et puis, c'est de toute façon dans les cordes de Sylvain Vernissa qui devrait, normalement, hein, j'ai dit bien, qui devrait la réussir. Voilà, Sylvain. Concentration du botteur Romanet. Avec le silence là à Guillermo. Voilà, très belle, ouais, très belle botte et 3 voilà, points. Coup de pied qui passe, 3 points. 3 points, USRP 3, Rock 7. Bon, et bien voilà un match qui... J'espère que ça va démarrer maintenant. Ah bah ça a un peu démarré quand même, Gilbert, là. Donc c'était important pour l'USRP aussi de scorer, puisque je rappelle qu'ils sont à 14. Et oui. Pour le moment. Et oui. Avec le carton jaune. Et c'est... Barre, je crois, qui va faire cette remise en jeu. Je pense qu'il faut opter sur un coup de pied long pour remettre la pression sur l'équipe adverse. Voilà. Allez, long. Non, c'est un ballon de récupération. Et qui c'est qui est ? On a une déviation, mais mal contrôlée là par les Romanais, mais je crois qu'ils l'ont quand même récupéré. C'est récupéré pour Roman là. Et intervention de monsieur l'arbitre avec une pénalité. Le plaqueur qui s'est pas enlevé. Et oui, voilà. Je crois que c'est Barre qui a été pris par la patrouille, qui n'a pas relâché le joueur au sol. Et Roman qui va pouvoir se dégager immédiatement par un coup de pied et une touche trouvée sur la ligne des 10 mètres du côté du Rock. Voilà, ça va tout doucement hein, aujourd'hui. Oui, ça va tout doucement, mais le temps de s'apprécier, le temps eh bien, de s'organiser et de voir un petit peu comment l'adversaire va jouer aussi. Je crois qu'on est dans une phase d'observation, Gilbert, encore. Et je pense qu'ils vont envoyer la sauce dans quelques minutes. Il y a Jaouer là, qui est dans les starting blocks, pour il ne devrait pas tarder à rentrer. Voilà, Vianna en fond de touche qui s'extirpe de l'alignement et qui peut avancer, qui met le ballon au sol. Faltrep. Et Martin aussi qui va re-rentrer, je pense. Voilà, Kinez qui remet intérieur là sur un partenaire. J'ai pas vu le numéro, Roger. Faltrep. Voilà, et on essaie toujours de franchir ce rideau défensif. Faltrep, on renverse Kinez. Avec une ouverture là, avec un ballon qui, voilà, qui est bien passé avec... Voilà cette combinaison qui fait que eh bien, Roman avance dangereusement là dans le Il y a un avantage en cours. Et en plus, donc voilà. On vient pilonner là encore les lignes du Rock.
Avec un ballon. Voilà, Faltrep qui peut s'échapper. Et encore, qui va, Qui va, Gilbert, essaye de Faltrep. Très très bien joué. Et oui, on le disait, dangereux hein, ce joueur. Et voilà qui vient prouver à nouveau tout son potentiel, en attaque. Et bravo à cette équipe romanaise qui vient égaliser sur le nombre d'essais, bien évidemment, avec ces 5 points qui sont quand même très très importants pour eux. Et ils repassent devant au score, donc avec 8 maintenant pour Romain en attendant la transformation et 7 pour le Roc. Donc effectivement, il y a Faltrep qui a joué cet avantage hein, puisque monsieur l'arbitre avait tendu son bras. Et il y a un carton, Canberra Béro. Ouais, Canberra Béro qui prend 10 minutes. Alors j'ai mal vu, Gilbert. J'ai pas vu ce qui s'est passé non plus. Je crois que c'est sur l'avantage de monsieur l'arbitre. Il y a dû y avoir une faute d'anti-jeu là, une faute au sol là pour empêcher le ballon de sortir. Et Canberra Béro maintenant, c'est le Roc qui va se retrouver. Ben, pour le moment, ils sont à 14 contre 14. Et Jaouer, lui, qui va revenir en jeu, je pense, juste après la transformation, la tentative de transformation de Vernissa. On attend. Voilà, ça part. Et non, ça ne passera pas. Ça passe, voilà. Pardon. Ça passe. 2 points supplémentaires. Donc 10 points pour l'USRP et 7 pour le Roc. Et ben voilà, le match donc, est lancé pour l'USRP là. Jaouer, je crois qu'il va revenir en jeu. Voilà, Jaouer qui revient en jeu là pour l'USRP. Et c'est le Roc qui est maintenant à 14 contre 15. Et le coup de pied d'envoi qui va être donné par Labi, le numéro 12 pour le Roc. Donc la rencontre est lancée. Voilà, un ballon haut. Récupération. Avec Bardos à la chute, bien récupéré la Turelle. Allez, belle récupération. C'est un ballon qui va être libéré, voilà, qui est fait comme... Bar qui est passé à la mêlée. Et oui, forcément. Forcément, puisque Canberra Béro est sorti. Continue, voilà, un ballon qui est libéré. Bardos maintenant, passe à Portis, pardon. Passe à Portis, oui. Et ça sort immédiatement. On avance toujours, petit côté, mais Souquet veille au grain. Aura... Allez, on passe à Portis là qui va aller chercher à nouveau ce ballon. Oliver maintenant qui avance un petit peu. Manoa. Allez, Manoa qui sonne la charge là qui vient encore qui passe. Trouver un trou avec un ballon. Et c'est une pénalité. Alors, tiens. Le plaqueur qui s'est pas enlevé. À mon avis, Barre va la tirer hein, puisque Canberra Béro est sorti. Va la tenter. Oui, va la tirer. Va la tirer, oui. C'est pas très français tout ça, hein. Gilbert. Restons concentrés, mon cher Roger. Je crois que c'est. Il va la. Allez, on va voir ça. Non, c'est La Fontaine qui s'y colle. Ah, tiens, La Fontaine, oui. C'est La Fontaine qui va tenter cette pénalité. C'est quand même étrange parce que Barre. Pour tenter d'égaliser. Barre tirait les pénalités l'année dernière et c'est quand même étonnant qu'il ne les tire plus cette année, hein, Gilbert. Voilà, c'est un choix des coachs hein, pour sûr, justement les botteurs. Quand même, c'est une appréciation, enfin, une réflexion que je me suis fait. Allez, mon petit La Fontaine là, il faut que tu un ballon qui va partir. Ouais, oh, ça passe. Ben non. Eh ben si. Ça tape le poteau et c'est rentré. Ça rentre. Donc voilà, égalité 10 partout. Et ce match qui, j'ai l'impression, est lancé. Bon, pour le moment, on n'a pas vu de très grandes envolées hormis cette action magnifique des Romanais. Et ça avance, chaque fois qu'une équipe prend le dessus sur l'autre, rentre dans le camp adverse, ben, ils arrivent à scorer. Donc ça peut être un chassé croisé jusqu'à la fin de la rencontre, Roger. Kinez qui va monter un ballon court avec Manoa à la chute. Non, bien dévié par Romanet. Ouais, il y a toujours ce problème sur un peu les ballons aériens là, du côté du Roc. Faltrep, Kinez. On est encore plus. Ouh là là, ballon qui aurait pu être voilà. Contré, là, mais... Jaouer là qui a pu éviter le premier plaquage. Mais c'est bien, ça joue bien du côté de l'USRP. Et là, ça rentre fort. Voilà, oui, on vient en soutien là, Gilbert. Faltrep, Kinez, maintenant. Avec Yaptef qui continue. Allez, avec une attaque là maintenant placée. Avec Mej. Mej
qui vient sonner à nouveau la charge là. C'est un petit peu long là pour sortir, mais ça continue à avancer du côté romanais. Ballon libéré, Faltrep, Kinez. Ouh, attention à cette passe, mais ça va, c'est passé avec un bon contre voilà, là, de Vernis, de Mutu. Mais le ballon toujours disponible. Et voilà le ballon qui est sorti. Avec attention, ça peut être dangereux là avec un. Et non, ça va, on a trébuché. Donc c'est un ballon qui va être récupéré. Ouh, gros plaquage là. Et encore, et on revient. L'habit qui en a fait un 2 en 1. Hein, ou un 1 en 2. Je sais pas comment le dire. Et il y a une faute derrière du Rock. Intervention de monsieur l'arbitre. J'ai pas vu. Ah, c'est un joueur qui est venu sur le côté là sur le Rock. Mais je rappelle qu'on joue à 14 du côté du Rock là avec la sortie il y a quelques minutes de notre capitaine Cambera-Bero. Et c'est Asensi qui est resté au sol là avec le soigneur. Ah, j'ai l'impression que c'est pas une belle soirée pour les premières lignes. C'est souvent qu'on voit un joueur de première ligne avec le genou au sol. Oui. A priori une douleur à l'épaule et une touche là pratiquement sur la ligne médiane mais du côté du Rock. On avait toujours ce score de parité 10 partout et le Rock qui joue à 14 contre 15, Asensi qui va reprendre son poste. Là, il arrive tout doucement là avec l'épaule un peu démise, endolorie. De je pense que si elle serait démise, il serait en train de se diriger vers le banc, Roger. Oui, non. Mais, ça me rappelle de bons souvenirs dans les années 70-80 avec Jean-Pierre Rive qui avait souvent le visage en sang, qui était souvent cassé. Mais c'était un guerrier, Jean-Pierre Rive. Voilà, cette touche. Et une belle une déviation du côté de Romain avec Inès maintenant qui transmet avec intention avec un contre là, ne pas se laisser surprendre. Ça va, c'est bien récupéré avec Pongy par maintenant. Pongy va libérer le ballon et une touche, et ça va être une touche qui va être réalisée. On revient sur un en avant par le Rock avec un pied là qui est venu contrer ce ballon du côté des Damiers. Mais non, en fait. C'est une mêlée avec introduction sur la mêlée. Roman. Avec Faltrep à la manœuvre. Cette mêlée avec Barre qui est passé à la mêlée. Et l'équipe qui est restée à 8 en mêlée. Pour essayer de contrer la poussée romanaise. Voilà. Faltrept qui va faire cette remise en jeu là. Ce ballon en mêlée. Voilà, la poussée là qui est maintenue, ça reste debout. On attend. Ouh, et on tire du côté du Rock. On tient là. Et oui, on est obligé de libérer ce ballon. Kinez. Allez, avec une nouvelle progression romanaise là maintenant. Mais on est pris par la défense du Rock. Et oui, voilà, on vient ça monte fort avec Manois. Et toujours le Romain avec le ballon. On se remet en marche avant, Faltrep, Kinez qui va taper par-dessus. On est obligé de se dégager, attention rebond, la fontaine qui va maintenant taper devant, voilà. Qui allume une chandelle là-haut dans le ciel romanais. Et oui, il est pris, il faut l'arrêter. Et voilà, si on veut rebondir. Le ballon là-bas, complètement à l'opposé. Et une pénalité contre Romain. Et ouais, une contestation. 10 mètres de mieux. Alors qu'on a passé la demi-heure de jeu, Gilbert, et que le score est toujours de 10 partout entre les deux équipes. Dans ce derby qui commence à être intéressant. Voilà, Cambera-Bero là qui commence à s'échauffer nouveau. Et ce qui va être tenté, la pénalité. Bah, il faut de toute façon on joue un de moins du côté 38 du Rock. Mètres. C'est la fontaine qui va la tenter. 38,2 Gilbert, très exactement. Vous avez l'œil précis, mon cher Roger. Merci, mon cher Gilbert. Ouais, mais complètement décalé là-bas, pratiquement sur la ligne des 5 mètres de la touche. Donc un coup de pied difficile là pour il a eu la chance la fontaine. Sur le premier, il a tapé le poteau. Mais pendant ce temps, le chronomètre tourne et...
Et oui. Et qui va permettre à Camber Béraud de rentrer. Mathieu, ouais. On n'est pas sur des temps de jeu. Voilà, cette pénalité qui part maintenant. Allez, la fontaine qui tente. Ah, beaucoup de pieds là, Gilbert, mais ça passe. Ça passe. Ça passe. Et 3 points supplémentaires pour le Rock. Bravo pour eh bien, La Fontaine là, qui, eh bien, qui met 3 points supplémentaires et 13 pour le Rock, 10 pour l'USRP. Pour l'USRP, pardon, ouais. Là, ce coup de pied d'un Kines qui va faire coup de pied de renvoi. Et voilà le coup de pied maintenant. Allez, renvoi, coup de renvoi là pour le Pio, là, avec Labi. Allez, Labi qui vient. Et ouais. Encore un ballon perdu là pour le Rock. Et oui, mais en même temps, un rebond favorable. On a essayé de le prendre malgré tout. Et voilà, mais... ça sort là-bas, grand côté. Allez, ça donne une occasion pour l'USRP d'avancer là maintenant. Allez, on sort immédiatement. Et on, oh là, et on vient. On est présent hein, du côté du Rock là en tous les cas. On pourra pour pas le reprocher. On est présent en défense, effectivement. On pourra pas le reprocher ça sur cette première mi-temps. Faltrep là qui attend le ballon. Kinez maintenant. Attention, Kinez avec Jaouer, ah, on a perd tomber le ballon. On perd le ballon, on l'a récupéré du côté des joueurs des bleus là, du Rock et intervention. Ouais, c'est l'arbitre qui va revenir à la faute, là en avant. Et Camber Béraud qui revient en jeu. Voilà, les deux équipes sont à 15 contre 15. Voilà, il va reprendre sa place au milieu de mêlée, c'est ça Gilbert. Début de mêlée, tout à fait, ouais, Roger. Ouais. Tu progresses. Merci, mais tu vois. Hein, comme il quoi. Va reprendre le capitana, je crois que c'est Labi qui avait pris le capitana pendant l'exclusion temporaire de Camber Béraud. Donc voilà cette mêlée, introduction Camber Béraud maintenant. Ouais, ça joue doucement quand même aujourd'hui. Les équipes ont peur de se découvrir là. Ils essaient de multiplier, mais ils ont du mal à multiplier les temps de jeu. Mais je crois qu'en même temps, du côté de l'USRP, on se méfie hein, de cette équipe du Rock et du réveil, de son réveil, bah, évidemment, parce que si une victoire ce soir à Guillermo, ça pourrait faire mal. Puis du côté du Rock, on est aussi méfiant parce qu'on a en face de soi eh ben, un vieux de la vieille, hein, l'USRP, donc forcément, on se méfie, forcément, on s'observe. Et ce sont des équipes qui ont un gros besoin de points, puisque c'est ce qu'on expliquait avant la rencontre, où l'USRP, il ne faut pas qu'il se fasse distancer justement par le quatuor de tête. En sachant déjà que, comme on le disait, il y a déjà un gros écart puisque les trois premiers ex-aequo, Chambéry, Bourg-en-Bresse et Aubenas, ont 27 points alors que Romain n'en a que 15 et le quatrième, La Seyne, a 20 points. Donc il y a déjà 5 points de retard. Donc ça veut dire qu'il faut au minimum une victoire avec un bonus offensif. Et en sachant que la semaine prochaine... voilà, attends, excuse-moi Gilbert, voilà, coup de pied de Camber Béraud avec une très très belle touche trouvée là. Et en sachant que la semaine prochaine, il va y avoir un beau match entre La Seyne et Romain. Ah oui. Romain se déplace à La Seyne, donc oui. Match difficile pour les Romanais la semaine prochaine. C'est en décembre. Donc ça va être un match encore décisif pour eux, pour nos amis Romanais. Alors Cobona recevra Chambéry, la grosse affiche de cette journée. Dernière journée de la phase aller. Le lancer pour Larieux. Elle a une belle prise à deux mains. Et on forme le molle là du côté de l'USRP. Non, on vient à nouveau se faufiler. Et c'est un ballon voilà, qui est libéré maintenant avec un coup de pied par-dessus avec Bessagalé. De Faltrept là, ouais. Oh, attention. Voilà, combat. Il a réussi, il s'en est sorti, mais là, il a pris la foudre derrière. Allez, il faut revenir, il faut le mettre en soutien. Pas de faute pour l'instant, il y a un avantage en cours. Non, même pas. Non, on tape, pardon. C'était pas coup un avantage. Avec Tulebuka. Ouh là là, attention. Avec le numéro 5, en face du numéro 5, Souquet et capitaine. Voilà, ça sort, Kinez. Attention, ça peut être dangereux là maintenant. Petit avec coup de pied là-bas. Avec Onutu qui veille. Mais non, on est récupéré. Ah, oula, là, c'est un petit peu Labi. Le brouillon avec Labi là, qui vient jouer derrière. Très très bon. Katia maintenant en soutien. Très très belle passe de soutien là maintenant. Et c'est maintenant les joueurs du Rock avec une pénalité. Avec une position de hors-jeu, Gilbert peut-être. Ah, c'est les joueurs qui sont venus au sol là, couvrir le ballon. Et voilà un ballon d'égalisation pour. Attention de pas de précipitation.
On a vu là sous la pression là avec le premier raté là du 3 carré d'Onutu. Et derrière on prend la pression, la schistera de Labi. Et Tiatia qui a pu remettre tout ça dans le bon sens, mais derrière une faute du soutien, puisqu'ils sont venus couvrir le ballon, se coucher dessus. Ah non, monsieur l'arbitre dit que c'est un joueur qui est rentré sur le côté. Et une pénalité qui va être tentée par Vernissa maintenant. Pénalité largement dans ses cordes. Et oui, Sylvain, qui va tenter cette pénalité. Sylvain qui en a vu d'autres au cours de sa carrière. Ça fait très longtemps, ça fait combien de temps qu'il joue maintenant à l'USRP? Ça fait déjà quelques saisons, oui. Ouais, bien sa cinquième, quatrième ou cinquième saison, je crois, Gilbert. Donc voilà la concentration du botteur. Silence, Stade Guillermoz. Et ça part. Un ballon qui s'élève et qui passe. Et, qui passe. Et à l'égalité de nouveau. Voilà, égalisation. Égalité parfaite entre ces deux équipes. 13 partout à 2 minutes de la fin. En tous les cas de cette première période. Et bah ma foi, 13 points. On a vu 26 points là sur cette première mi-temps, ce qui est pas si mal que ça pour un derby finalement. Attention, voilà, ballon, une belle balle là. Si, c'est un ballon qui a bien qui franchi. Détourné par Bardos, mais personne derrière en soutien. Et c'est dommage. Il va falloir peut-être maintenant, après avoir travaillé les touches, il va peut-être falloir qu'il travaille les coups d'envoi. Les ballons aériens, effectivement. Même si c'est quelques difficultés là sur ces ballons aériens et une touche qui va être avec une remise en jeu romanaise. Alors on entend un peu gronder le public parce que le juge de touche n'avait pas indiqué le bon côté. Et oui, on voit, on sous, les caméras sous la caméra de Mistral TV. Voilà cette remise en jeu qui va être effectuée par l'Arieux maintenant. Et on va voir. Voilà, belle prise. Allez, ça sort avec Sinez. De l'USRP maintenant. Oh, attention, quel bon plaquage de Labi là. Énorme plaquage, Hubert. Sur Kinez. Oh là 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 là. Ça, par contre, il fallait le voir. Et voilà, avec un ballon qui progresse du côté de l'USRP maintenant. Un ballon qui va sortir. Mais tout de suite, on prend la foudre un petit peu là du côté de l'USRP. Mais ça continue à avancer. Mais tout ça doucement. Continue à avancer. Maintenant, Kinez. Il va mettre un petit coup de pied. Attention, attention. Oh là là, mais alors on glisse du côté. Oh là là, très bien joué. Et oui, on joue tout seul là pour. Bessagalé là qui revient. Oh, qui prend aussi un gros tampon là-bas. Ouh, et bien voilà, deux tampons partout, un tampon partout, on va dire. Et on va se dégager du côté du Rock maintenant. Manoa maintenant. Et ouais, qui est tout de suite pris. Il faut vite venir en soutien là pour éviter de se mettre trop en difficulté, voire à la faute. Et toujours le Rock avec en position du ballon. Gambera-Bero qui va pouvoir peut-être dégager. On a glissé, hein, tu vois. Il y a un manque quoi, voilà, un coup de pied par-dessus. Comme quoi, hein, tu vois que quand on glisse, on peut se mettre très très en difficulté. Et ça a été le cas là pour les joueurs du Rock qui, après cette glissade, a pris carrément la vague. Hein. Ouais, là on voit, c'est monté d'un cran là, hein, au niveau de l'agressivité en défense là des deux côtés. On a vu d'abord dans un premier temps Labi là qui a très bien anticipé là, cette combinaison romanaise et qui a mis un gros tampon. Et là-bas, suite au coup de pied, un bon retour de Bessagalé sur le coup de pied de Romané là qui a pris Bessagalé qui a pris la foudre aussi à son tour. Voilà, lancé. Oula, oui, si ça va, voilà. Ça va, c'est passé, mal c'est maîtrisé, passé. Mais c'est passé, Kinez maintenant, Kinez. Qui va attaquer le rideau et qui va franchir. Et qui passe avec l'intérieur. Une belle passe là pour l'instant, avec maintenant un bon... Et de nouveau Bessagalé là, le deuxième rideau. Bon retour, bien. Attention défensive. Décalage, avec maintenant le numéro 4, Gouma. Et ça avance du côté romanais. Allez, on vient jouer là, on vient jouer, dit monsieur l'arbitre. Continue, le ballon qui va être disponible maintenant, côté romanais. Ça va jouer au ras, je pense, pour essayer de resserrer cette défense du Rock. Allez, voilà, c'est fait. Vuania là qui vient pousser son. Et voilà, c'est... ça vient au sol. Et monsieur l'arbitre qui sanctionne. Là, les joueurs ont du mal à prendre leur marque là, avec les décisions de monsieur l'arbitre. Voilà, il leur a déjà dit. Ils ont été sanctionnés des deux côtés et les joueurs, a priori, n'ont pas encore compris ce que monsieur l'arbitre veut. Aujourd'hui, il va falloir jouer debout, messieurs. Il va falloir jouer debout les soutiens.
Voilà, Labi tape très très haut, très très fort. Et un ballon. Et une touche. Voilà, pratiquement sur la ligne médiane. On n'aura pas le temps de la jouer, je pense, Gilbert. Parce que monsieur l'arbitre va siffler la fin de cette rencontre, probablement. Non, la fin de cette mi-temps, mon cette cher mi-temps, Roger. Cette mi-temps, pardon, oui. Cette première partie de rencontre. On va quand même rester pour voir la deuxième mi-temps. Tout à fait. Tout à fait. Bien vu. Ouais, bien ça vu. Fait 42 minutes qu'on joue. Bientôt, on est dans les arrêts de jeu. Voilà cette touche avec une remise en jeu. Remise en jeu, pardon, d'Asensi. Gilbert, tu zozotes. Ça m'arrive. Attends, c'est sûr, attends, c'est sûr. Voilà cette touche. Ah là là, voilà, là, là, et Viana qui a bien contré la touche. Toujours ce problème. Kinez. Ah, avec un ballon qui va être contré. Attention, non, non, ça va. C'est récupéré par Faltrept, du coup, qui vient. Voilà, il y a un avantage pour un plaquage haut. Voilà un avantage. Et monsieur l'arbitre, voilà qui siffle. Et pénalité. Ouais, pour un plaquage haut. C'est Tulé Lucas qui s'est mis à la faute là sur ce plaquage. Et je pense que ça va être tenté là par Vernissa pour essayer de rentrer au vestiaire avec trois petits points d'avance. Trois petits points d'avance, hein, bien sûr, bien sûr. Faut pas s'en priver, hein, tant qu'à faire. Si ça passe, c'est pour le moment 100% de réussite pour Vernissa. Hein, je crois qu'il n'en a manqué aucun sur cette première période. Donc, ma foi, pourquoi pas. Le ballon est. Enfin, le coup de pied est long puisqu'on est pratiquement sur la ligne des 50. On va être à 40, allez, 48, avec ton œil. 47,5 là. Ouais, je dirais plutôt 48, voire 9. Donc voilà, cette pénalité qui va être tentée par Vernissa. Allez, Sylvain qui va se concentrer maintenant. Pour rentrer au vestiaire avec un petit avantage pour l'USRP. Allez, c'est le silence dans le stade là. Allez, voilà, longue batte. Ça va être un petit peu court. Il va passer en dessous et on va. Voilà, on tape directement en touche. Et non, on ne trouve pas la touche là et ça va permettre à Romain de contre-attaquer tout de suite. Attention, attention, monsieur l'arbitre n'a pas sifflé. Et non, le ballon est toujours en jeu. Et pénalité cette fois-ci pour le Roc. Qu'est-ce qui s'est passé là, Gilbert ? Là, c'est un joueur, non, c'est un joueur de Romain qui est venu sur le soutien, qui est venu sur le côté du Roc. Donc voilà, et Cambiarbero qui tape en touche pour aller au vestiaire. Voilà, voilà c'est et fait. C'est fait. Et voilà, on va au vestiaire avec ce score de parité, 13 partout. 13 partout en effet, dans cette rencontre où finalement, Gilbert, on aura vu du bon rugby. Un rugby qui a eu du mal à démarrer concrètement. Voilà, on a eu ces 20 premières minutes d'observation là, effectivement, où les joueurs avaient du mal à rentrer en jeu. Et puis derrière, cet essai de pénalité accordé au Roc qui a déclenché un peu les hostilités entre guillemets entre les deux équipes, où on a vu un peu plus d'engagement des deux côtés puisque les équipes sont observées beaucoup et derrière on arrive à la mi-temps avec ce score de parité, beaucoup de fautes puisque monsieur l'arbitre a déjà sanctionné de deux cartons, un de chaque côté. Donc il va falloir que les deux équipes se disciplinent pour la deuxième mi-temps pour éviter justement d'avoir encore des cartons et de jouer en infériorité numérique. Donc j'espère qu'on aura une deuxième mi-temps avec un peu plus de jeu. Voilà Roger. Voilà, et bien écoutez, c'est sur ces belles paroles de Gilbert que l'on va se séparer quelques instants et nous retrouver pour la seconde période. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Voilà monsieur l'arbitre qui revient sur le terrain et les joueurs du Roc qui sortent. Donc on va voir cette deuxième mi-temps, ce que nous réserve cette deuxième mi-temps mon cher Roger. Oui. Avec le Roc qui revient en jeu. En tous les cas, ce que l'on ne pourra pas reprocher sur cette première mi-temps, c'est le peu de combativité que l'on avait observé lors du match contre Chambéry. Là, ouais, je crois effectivement, que... au niveau de l'engagement là, sur les 20 dernières minutes, là, la deuxième partie de la première mi-temps, il y a eu un engagement fort. Mm-hmm. Les deux côtés d'ailleurs. Hein.
Après, il va falloir, Gilbert, quand même continuer à persévérer hein, sur les touches, même si on a vu du mieux, on a quand même observé des déchets. Ça, donc, il va falloir le retravailler. Et également les mises en jeu, parce que je crois qu'on a perdu. Ouais, sur le 80, jeu aérien, ouais. 90% des ballons perdus. Effectivement, on a du mal sur le jeu aérien, là, sur les ballons hauts. Donc, Bessagalé qui pour le moment a fait une très bonne première mi-temps, puisqu'il a sauvé deux essais hein, qui étaient tout faits pour les Romanais. Oui, tout à fait. Avec un bon retour sur un deuxième rideau défensif, là, avec des gros tampons. Et il a toujours remis son équipe en marche avant. Donc, on va voir. Et Faltrep, toujours excellent côté Romanais. Ce chef d'orchestre là qui remet toujours son équipe, qui passe dans les trous de souris, qui remet toujours son équipe à l'avancée. Pour Romain. Allez, voilà, monsieur l'arbitre qui va donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Et l'Abi qui va taper ce ballon. Voilà. Ça sera l'occasion aussi de voir comment le Roc et l'USRP vont effectuer leur entame de match de seconde période. Et voilà, cette deuxième mi-temps qui démarre. Allez, un ballon récupéré, c'est le premier pour le Roc. Avec une. Voilà, Mathieu Cambera-Béro là qui sort ce ballon, barre. L'Abi qui vient. Qui attaque, voilà, gros. Sur Biagna. Qu'est-ce qu'il est solide ce L'Abi. Allez, on continue. Cambera-Béro là qui vient sortir ce ballon. Et on vient se repositionner. Tia maintenant, qui franchit le rideau, qui passe par le sol et maintenant. Et on pilonne. Voilà, on multiplie les temps de jeu, Cambera-Béro. Allez, avec un ballon qui sort sur le petit côté maintenant. Tulebuka qui a tenté cette percée. Attention de ne pas se mettre à la barre faute là. Maintenant, qui revient un peu dans la. Pour créer un regroupement, hein, bien dans évidemment. Trafic. Voilà, pour que ce ballon sorte maintenant. Un ballon qui a du mal à sortir, Gilbert. Et attention de ne pas, de pas le perdre. Non, le ballon est là. Ça va, on l'a récupéré. Attends, il faut recréer des points de fixation avec Manoa. Et on vient en soutien là du côté de Manoa. Et on vient en soutien avec un ballon, voilà. Cambera-Béro. Bessagalé, pardon. Cambera-Béro. Bardos maintenant. Qui libère son ballon, Cambera-Béro. Allez, on va jouer sur le grand côté maintenant. Avec Manoa, Manoa qui vient à nouveau percuter. Cambera-Béro. Les Romanais. Barre. Ça avance pas. Allez, l'Abi maintenant qui va essayer de se battre. De franchir ce rideau défensif romanais et un petit coup de pied. Ah, bon, ça va être récupéré là maintenant. Mais si on tape là du côté des damiers maintenant. Mais je avec qui va pouvoir se dégager. Attention de ne pas se gêner, voilà, c'est fait, c'est maintenant. Récupéré avec La Fontaine qui tape pour lui-même. Malouan là qui va peut-être avoir le bon rebond. Non, on se jette du côté de. Et c'est une touche. C'est une touche. C'est une touche. Voilà. Donc voilà, le Roc là, qui est revenu avec des bonnes intentions là, sur cette deuxième mi-temps, là, qui a monopolisé ce ballon. Et tu vois, Gilbert. Et une très très bonne discipline romanesque, puisqu'il n'y a pas eu de faute. C'est ça. Et tu vois, Gilbert, à partir du moment où on s'applique sur les relances, à partir du moment où on se concentre sur la récupération de balles, derrière, on observe du beau jeu quand même chez le Roc. Oui, effectivement, mais derrière, c'est des ballons qui sortent beaucoup trop lentement. Donc on ne peut pas créer de décalage sur la défense romanesque qui veille au grain. On l'a pu le voir. Donc c'est compliqué derrière pour essayer de créer ce décalage et de pouvoir mettre en difficulté les Romanais. Allez, remise en jeu du côté du joueur du Roc maintenant. Enfin, du. Voilà, ce maul qui se forme. Et on est repoussé par cette belle défense. Oh, avec peut-être un ballon là qui va. Ah, Mano. Qui va être. Et un avantage et pénalité. Et pénalité. Eh bien, Gilbert, belle phase offensive là des joueurs du Roc. Ouais, une bonne entame là, effectivement des joueurs du Roc là sur cette deuxième mi-temps. Hein, qui montre qu'ils sont présents. Effectivement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là ? Il faut continuer à jouer. Non, visiblement, on va la tenter, Gilbert, non ? Pour prendre 3 points supplémentaires, je crois que. Ouais, on va voir. Alors, qui c'est qui va tirer cette pénalité ? Ouais, c'est Mathieu Cambera-Béro là qui va tenter. Non. Ouais, c'est La Fontaine. C'est La Fontaine encore. Qui s'y colle de nouveau. Encore, ouais. Effectivement.
Allez, c'est loin, mais c'est dans ses cordes, bien évidemment. Nous en il y a eu deux échecs. Enfin, un mi-temps pour le Rock. Voilà le ballon qui part. Avec une belle botte là. Et ça passe. Gilbert. Et voilà. 3 points supplémentaires pour eh bien, le Rock qui mène sur le score de 16-13. Et on se refait une toute petite santé. Maintenant, la réaction romanaise. Oui, je pense que les Romanais là, ils vont tenter de récupérer ce ballon et de remettre la pression sur le Rock. Voilà un coup de pied haut avec Vania. Ah ouais, belle récupération de balle. Allez, Labi. Chulevica. Onutu. Oui, Onutu. Il va pouvoir libérer. Allez, voilà, un ballon qui est sorti. Cambiabero par-dessus. Oui. Alors là, on a pris un marron là du côté. Avec Soketa. Soketa qui va. Ouais, attention, il est gaillard. Il est gaillard. Solide. Ouais, non, tout à fait. Il a écarté. Barre comme un fétu de paille. Ouais, tout à fait. Et on attaque là sur le petit côté. On a voulu taper pour soi-même. C'est Pongy là-bas qui crée un peu le décalage. Et on revient dans le trafic. Et Romanet qui continue d'avancer. Voilà, belle réaction romanaise là. Avec Guinness. Peut-être un ballon qui va. Soketa qui trébuche mais qui se relève immédiatement. Qui va. Et il y a un avantage en cours. Ouais ouais. On joue. Guinness. On aime ce arbitre voilà. Qui revient. Intervention. On a une faute que va désigner M. Larpin. Il y a une faute, mais j'attends sa gestuelle pour vous dire ce qui a été sanctionné par M. l'arbitre, qui est la faute à une position d'hors-jeu. Une position d'hors-jeu du Rock. Donc ça va faire l'opportunité à Vernissa de revenir au score. Donc on voit toujours ce score qui évolue tout doucement. Alors on est blessé là du côté d'un joueur du Rock là. Tampon là tout à l'heure qui a du mal à se. C'est Turel là qui est un petit peu, mais on voit, il va y avoir des changements là puisqu'on voit la première ligne qui est en train de se préparer du côté du Rock avec Ayarzia, Belawari et Carmona qui devraient faire leur entrée et aussi le numéro 18 Nouya Lagué là pour amener du sang frais là sur cette mêlée du Rock. Beaucoup de pieds là, et ça passe. Et on revient au score, 16 partout. Et on se court après hein, dans cette rencontre, on ne lâche rien Gilbert. Ouais, l'issue de la rencontre est toujours indécise là, effectivement. Ça peut se jouer sur une botte, hein, évidemment. Hein, et on ça a... peut basculer à tout moment d'un côté comme de l'autre. Ouais. C'est Passaportis qui sort, et Nuit à la Gué qui passe en deuxième ligne donc. Je pense, ou peut-être troisième ligne, et Tiatia qui remonte en seconde ligne. On va voir sur la prochaine mêlée, non ? Il garde son poste de numéro 8, a priori. Voilà, et c'est Labi qui va faire ce coup de pied de renvoi pour le Rock. Allez, remise en jeu pour Labi, voilà qui est fait. Allez, il faut la récupérer, ça serait pas mal. Pour les joueurs de la Voulte Valence, non, belle récupération du ouais, numéro 4 Gouma chez nos amis romanais. Voilà, qui avance. Ce mol qui se forme et qui avance là. On voit comme le ballon est bien caché, comme le ballon est bien camouflé. Soketa là qui essaie de passer. Oua. Oh, c'est un ballon qui est récupéré là, je pense qu'il va être récupéré pour le Rock. Voilà qui est fait avec voilà, une sortie balle. Bar. Maintenant, Labi. Avec Labi qui tape un petit ballon. Mais très très bon retour là, Romanet. Et du coup, attention de peut-être voilà, se coucher sur le ballon. Il a lagué là-bas en deuxième rideau. Il faut vite venir en soutien ou sinon on va se prendre toute l'armada sur le ballon sur le dos. Est sécurisé, c'est fait. Maintenant. On va pouvoir se dégager derrière. Voilà, un grand coup de pied. Attention de ne pas reprendre une contre-attaque. Et voilà, ça repart pour les Romanais. Si Gilbert, ça va contre-attaquer. Avec Soketa. Oula, gros tampon ouais, encore. Ouais. On est vigilant du côté des Bleus, là, du côté du Rock. On ne se laisse pas voilà, dépasser. Et une faute romanaise. Et pénalité. Ballon qui a été gardé au sol. Et pénalité pour le Rock. Voilà, un joueur du Rock là, qui est resté au sol. Je crois que c'est Onutu. C'est Onutu là sur l'impact, sur la phase de plaquage tout à l'heure.
qui a été un petit peu secoué. Et c'est Labi qui s'y colle là pour taper cette pénalité en touche, pour essayer de trouver une touche. Et voilà, une touche environ 35 mètres de la ligne romanaise. Là on repart sur un petit rythme, mais toujours beaucoup d'engagement sur ce match, sur ce derby, et toujours ce score de parité, 16 partout. Et c'est Carmona au lancer maintenant. Carmona au lancer, voilà qui est fait. Ah, et encore, voilà, et on retombe dans les travers habituels. C'est quand même fou, hein. C'est quand même fou. Hein. Ballon récupéré, Kinez maintenant. Allez, le contre là, le attention, et tout de suite on est pris. Mais très belle feinte là de la défense. De Mège là qui s'en sort plutôt pas mal sur cette balle de contre. Et voilà, on vient. Ouh, et bien attention parce que là La Fontaine contrôle du. Onutu. Onutu qui contrôle. Voilà, qui revient là. Et qui revient pour. Avec Labi. Labi qui. Ah ouais, non mais il faut. Voilà, ça n'a pas été un bon choix là de revenir justement sur le petit côté. C'est le seul arbitre qui siffle. En avant qui profite plus. Et une mêlée, introduction Romain. Et on va voir cette mêlée maintenant avec toute cette première ligne remplacée là côté du Roc. Face à la première ligne romanaise là, qui depuis le début de la rencontre est sur la brèche. Au combat. Le Sanfray qui est rentré côté du Roc. Cette mêlée, le joueur se prépare. Introduction pour Faltrep. Allez, il faut la mettre, il faut la mettre. Et oui, non mais. Il faut introduire le ballon, effectivement. Oui, à un moment donné, il faut le mettre. Hein, parce que... Mais il faut attendre le feu vert de monsieur l'arbitre. Il faut que la mêlée soit stabilisée avant. Allez, voilà, encore un changement. C'est Pierson qui sort, remplacé par le numéro 19 Chapuis. Donc du Sanfray là qui rentre côté du Roc. Un mêlée qui se prépare de nouveau. Mêlée. Allez, voilà, c'est introduit maintenant. Ouh, et on... oui, belle poussée là des joueurs du Roc et pénalité, Gilbert. Voilà, sur la deuxième poussée, effectivement, ils ont mis en difficulté les Romanais. Et je crois que c'est le numéro 3, Martens, qui a perdu ses appuis, qui a glissé. Et le seul arbitre qui a sanctionné. Donc on a pu voir là depuis le début de la rencontre, chaque fois qu'une équipe a dominé et était dans le camp adverse, a pu scorer. Donc voilà la tentative qui va être maintenant avec La Fontaine, qui va tenter cette pénalité pour le Roc. Voilà, c'est toujours La Fontaine. Le résultat de cette rencontre est toujours indécise là. Ouais. Aucune équipe n'arrive à prendre le dessus sur l'autre. Du coup, on reste sur notre fin là, Gilbert. On aurait envie que l'une ou l'autre des équipes se détache, mais pour le moment, on se tient. Allez, La Fontaine qui se concentre. Voilà, oh, superbe. Oh, là, le poteau. Le poteau, malheureusement, c'est le deuxième. Et voilà, poteau. Donc le score toujours de parité, 16 partout. Et c'est un renvoi au 22, Gilbert. Voilà, je pense que ça va être un coup de pied long là, pour les Romanais, ouais. Pour justement remettre la pression sur le Roc. Et voilà, Kinez qui va taper. Pour moi, je pense qu'il va taper un très long coup de pied. Voilà. Allez, avec une récupération. Onutu. Voilà, on vient donner à La Fontaine. Qui monte une chandelle. Attention, ouais, on se... Ah non, mais c'est un ballon en avant, je pense, Gilbert. Là... Non, ça a été dévié par un Romanais, voilà. D'accord. Et là, c'est Vernissa.
On essaie de le retourner là pour tenter de gratter ce ballon. Non, non, on se libère avec Kinez. Qui attaque le rideau défensif. C'est Faltrept, hein, Faltrept pour le numéro 9, toujours. Et là, on revient petit côté. Et ça avance pas là, les gars, il faut. Et on est gêné par la bonne défense, hein, quand même, du Rock. Il faut le souligner ce soir. Soketa maintenant. Et ça sort immédiatement. Non, voilà, ça c'est. Je vois pas. Numéro. Avec un ballon qui est récupéré. Il y a un petit en avant bleu. Par Bessagalé, malheureusement. Il a fait une petite faute de main, Gilbert. La récupération, qui profite maintenant au Romanais. Qui n'a pas servi. On a du mal, les Romanais ont du mal ce soir pour justement imposer leur rugby. Martins qui a un genou au sol, le pilier sur une mêlée. Un soigneur qui rentre côté Romanais. Donc c'est Romanais qui n'arrive pas justement à franchir ce rideau et à créer ce décalage. Là, il va y avoir un remplacement, je pense. Et c'est le numéro 23 qui revient. Les eaux qui revient en jeu. Voilà. Martins a réussi à tenir, mais il sort en boitant légèrement. Et cette mêlée maintenant, avec introduction Roman. Pour Faltrep. Cet excellent joueur Romanais. Ouais, on a mal, hein, du côté de Martin là, à nouveau on est sorti. Martin qui avait déjà eu très mal sur la première mi-temps, qui a pris un coup. Et là. Grosse poussée. Oh là là, grosse poussée. Oui, et pénalité, forcément. Comme tout à l'heure, Gilbert, même faute. Grosse poussée du Rock là, sur cette mêlée. Mais qu'est-ce qu'ils ont mangé ce soir, Gilbert, le Rock du Lyon ou quoi ? Je sais pas, mais quelque part, on retrouve certains joueurs avec des vertus guerrières, justement. Puisqu'on sait que le rugby commence par la conquête. Et le fait d'avoir eu ce remplacement là en première ligne, je pense que les joueurs n'étaient pas préparés sur cette mêlée. Et une pénalité pour de nouveau pour le Rock. Décalé. Et de nouveau La Fontaine qui va tenter de nouveau La Fontaine de réaliser cette pénalité pour le Rock. Sur cette botte, Gilbert, tu l'as dit, tout à fait. Avec. Allez. Ce côté là lui a plutôt pas mal réussi en première mi-temps. Allez, voilà un ballon qui s'élève, qui passe entre les perches, Gilbert. Et voilà, 3 points supplémentaires pour le Rock qui passe à 19, USRP 16. Et on revient sur cette grosse poussée dans cette mêlée. Cette grosse mêlée, effectivement. Qui a mis très très en difficulté, et bien forcément. Les joueurs de l'USRP qui, rappelons-le, ont perdu quand même. Peut-être c'est en début de première mi-temps, là, ces deux piliers. En tous les cas, Gilbert. Ouais, ils ont joué avec peut-être un joueur un peu diminué en mêlée. Voilà un coup de pied qui va être récupéré par Barre. Barre qui prend la foudre là. Il va falloir libérer ce ballon. Qui recule sur l'impact. Parce qu'à mon avis, les Romanais ne vont pas en rester là, forcément. Ils vont mettre les bouchées doubles maintenant. Oui, il va falloir d'ailleurs pour les damiers. Et Labi qui va pouvoir dégager. Voilà, qui a le temps dans ses 22 d'accrocher la touche là. Non. Oh, oula. Erreur romanaise. Et c'est une touche. Ah non, 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 non. Non, non, ils ont joué rapidement. Les Romanais toujours en position du ballon. Voilà, ça sort immédiatement. Intervention de monsieur l'arbitre. Un en avant. Un petit en avant Romanais. Sanctionné. Alors que Kéroum fait son entrée, effectivement, de qui devrait remplacer Gouma ou Gouma, je pense, ou Souké. Et le capitaine Souké devrait rester. Non, Viania. C'est Viania qui sort. Et oui, l'ancien Ardéchois là qui sort et qui laisse sa place à Gouma. Kéroum. Kéroum, pardon. Je disais Gouma, non. Kéroum. Kéroum qui prend la place de Guania.
très très bon joueur de champ qui court partout et très bon sauteur en touche. À la mêlée. Voilà, ça sort. Barre. Allez, Barre qui tape une chandelle là maintenant. Avec Tulevika qui a été un petit peu gêné Vernissa. Avec une belle récupération de Vernissa. Valtrep maintenant. Allez, voilà, nouvelle attaque des Damiers. Oh, ouais, avec. Soketa maintenant. Soketa qui vient montrer qui. En position 3 carrés, et ça repart, Kinez. L'USRP est encore là avec une balle en cloche là qu'on vient. Oula, avec. Avec une bonne. Valtrep. Non. Un bon placage. Voilà, avec... là-bas. On voit pas le joueur qui est en position du ballon. Pour Romain. Voilà, Valtrep qui est passé encore de nouveau. Un feu follet de l'équipe de l'USRP, c'est Valtrep. Hein. Et qui remet toujours son équipe dans l'avancée. Et c'est bien. Avec toujours et le c'est ballon bien. Pour les Romanais. Kinez maintenant qui remet intérieur. On n'y arrive pas parce que. Avec une. Non, j'ai cru qu'on récupérait du côté du Roc là. Mais attention de ne pas se mettre à la faute du côté du Roc maintenant. Avec Gouma maintenant. Une bonne progression des joueurs de de l'USRP, j'allais dire. Et pénalité. Pénalité. Voilà, un plaquage haut. Pour un plaquage haut. Pénalité et probablement attention, on va voir ce que va dire monsieur l'arbitre. Oh, il reste sur la pénalité, Roger. Ouais, il ne vient pas. Pour un plaquage haut sur Gouma. Et pas. La pénalité va être tentée là pour revenir au sport. Il n'y a pas pénalisé en tous les cas le joueur. Ouais, il lui dit quand même Gilbert, attention. Alors, il fait signe au capitaine puisque Mathieu Carmerabero lui a demandé. Quelle était la faute qui avait été sanctionnée. D'accord. Et M. l'arbitre lui a fait. Il a signalé que c'était un plaquage haut. Et Vernissa qui va tenter cette pénalité pour l'USRP maintenant. Et pour égaliser, hein, Gilbert, puisqu'on le rappelle, le Roc mène de 3 petits points. 19 à 16 pour l'instant. Et ces 3 points de Vernissa qui devrait ramener un petit peu la tranquillité dans la maison là. Ouais, il est sur son bon pied, du bon côté. Ouais. Sylvain. Sylvain qui a ramené beaucoup de points ce soir aussi, hein, il faut le dire. Concentration. Avec l'épaule en avant, on voit. Et on tape. Ouais, superbe. Très belle pénalité réalisée par Sylvain Vernissa et l'USRP qui revient au score. Égalisation parfaite entre ces deux équipes. Alors que nous jouons la 61e minute. À 19 partout. Et le coup de pied qui va être donné par l'habit pour le Roc maintenant. Avec Onutu, je crois qu'il vient de sortir et qui a laissé sa place à. Je cherche le joueur qui est rentré. À la place de. Ouh, très très long ballon Gilbert là. Voilà. Il vient et tout de suite se dégager en touche. Tiatia qui a pas pu se saisir du ballon. Non, vient pas la jouer là. Je crois que c'est Baruteux qui est rentré le numéro 20 pour le Roc à la place de. C'est numéro 11. Onutu. Et le Roc. Voilà. Carmona au lancer. Ouais, très belle récupération. Carberabero, Barre. Manoa. Soutenu par l'habit. Allez, on vient. Ah, le ball. On se sent fort du côté du Roc là pour le coup. Et voilà, je te l'avais dit Gilbert, on se sent fort. Du coup, on y va. On avance avec ce ball, tout le pack là. Presque vient faire pression. Pas aller trop loin. Oui, là, voilà maintenant, il faut que ce ballon. Et on insiste Gilbert avec ce molle là du côté du Roc. On va essayer de mettre à la faute les Romanais. Et ça avance toujours là, ça passe par le sol maintenant. Stratégiquement c'est assez intéressant. Bah, allez avec une charge maintenant de Tulevika qui. Mais attention de passe. Il est solide Soketa là qui risque d'arracher le ballon. Non, ils l'ont avec. Voilà. Camberabero et mettant Bessagalé comme à son habitude. Camberabero. Allez, alors que. Carmona maintenant.
Allez, faut libérer. Ouais, voilà, ballon. Voilà, c'est ça. On libère rapidement. C'est bien joué du côté Manoa. Du Roc. Là, on vient à nouveau percuter. Allez, on conteste là côté Romanais. Mais le ballon est sorti, Canberra Béraud. Et on y va, et on y va, et on ose des choses là ce soir du côté du Roc. Et on avance tout doucement, mais sûrement. On vient de prendre 15 mètres là du côté du Roc. Et voilà. On y va sur le petit côté. Ouh, quel gros tampon. Ah, mais je crois que le joueur s'est fait mal là sur le placage. Et oui, et mais oui. Le ballon toujours pour le Roc. Là, de nouveau le Roc. Alors, avec une pénétration là maintenant, et on vient récupérer ce ballon et on dégage. Loin. Récupération romanaise. Et ben, très très belle phase offensive. Et le joueur là qui est resté au sol là sur le gros tampon là. Vraiment, ouais. Mais bon, écoute, on voit de belles choses quand même là pour le coup, offensivement de la part du Roc là. Oui, mais effectivement, on multiplie les temps de jeu, c'est bien, on avance. Mais derrière, un peu de précipitation, on ne sécurise pas assez le ballon pour justement pouvoir être dans de bonnes conditions pour le jouer. Et derrière, ben, les Romanais ont été au contest et ont pu récupérer ce ballon et ont pu se dégager. Mais il y a eu un petit peu le feu là, à la maison romanaise. Oui. Et je suis un petit peu inquiet là sur le placage là, le joueur qui est resté au sol. Parce qu'il est rentré de bon cœur. Est-ce que c'est pas le joueur qui est rentré tout à l'heure, Gilbert? À cette distance, j'ai du mal à voir le joueur qui est resté au sol, ouais. Roger. En sachant qu'on a effectivement les caméras à l'inverse sur ce terrain, donc on se retrouve en face des caméras et non pas de votre côté, chers téléspectateurs. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à bien visionner. On va revoir l'action probablement, même sûrement, mais en tous les cas, dans le direct et sur le coup du direct, on ne voit pas exactement qui. Mais effectivement, le joueur romanais n'était pas monté faire le voyage à vide. Et je pense qu'il avait mal positionné sa tête là au moment du plaquage et il a pris l'impact. Il a tout emporté avec lui. Hein. Effectivement. Mais c'est bon, il va pouvoir reprendre sa place. Il a tout emporté avec lui, l'infirmier, le brancard, le joueur, il a tout ramassé. Voilà, lancé maintenant pour le Roc. Si ouais. Ça touche, le jeu va pouvoir reprendre. Voilà, Bardos. On forme le maul. Et là, on s'est récupéré par Roman de nouveau. Et oui. Avec un avantage, là, je pense qu'il est sur un en avant. Encore des ballons perdus, là. Sur des touches. Sur des phases de jeu importantes. Et une chandelle. Ouh, voilà, longue chandelle. Attention de ne pas se mettre à la faute. On est tout seul du côté de Bessagalé. Bessagalé qui vient quand même, qui est costaud. Ouais, il est vif comme l'éclair. Du coup, eh bien, il apparaît à deux plaquages. Et on attaque maintenant du côté de Labille qui vient donner à la fontaine. Baruteux qui vient sonner à nouveau la charge avec cette belle progression des joueurs du Roc. Azardia maintenant qui reste debout, qui continue d'avancer, qui passe maintenant par le sol. Ballon libéré, Canberra Béraud. Avec une Carmona. Belle percée là de Carmona. C'est trop long. Ça sort Gilbert. Maintenant. Manoa. Mais la défense romanaise très belle défense romanaise avec une récupération maintenant bon peut-être contest. Voilà, c'est ça. Et on tape devant pour se dégager, mais c'est récupéré tout de suite par le Roc là maintenant avec la fontaine. Un coup de pied. Et oui, mais ça c'est un ballon malheureusement pour eux. Et Vernissa qui fait un marque dans ses 22 mètres. Voilà encore un ballon perdu là sur une phase dominante pour le Roc. Très très bon contest romanais sur cette phase de plaquage. Et je vous rappelle qu'on est toujours sur ce score de parité 19 partout. On sent que du côté du Roc, on maîtrise un petit peu mieux son sujet là, Gilbert. Hein. Contrairement à la première mi-temps. Un gros manque de finition. Oui, mais il y a du mieux. On sent quand même une équipe. Voilà, il y a une petite touche trouvée là par Sylvain Vernissa. Et le lancer pour le Roc. Oui, toujours ces problèmes récurrents sur ces lanternes en touche où il y a des ballons très très importants et on les perd. Manque de maîtrise. Peut-être le jouer simplement. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux conserver le ballon, comme disait Jari Rossel d'ailleurs dans un entretien, en faisant des petites touches plutôt que de tenter des grandes touches comme celle-ci. Voilà, nuit à la gaie, mais on a vu encore un problème de... Mais on l'a récupéré celle-ci. Et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, le joueur s'était décollé des joueurs qui étaient devant lui. Donc il est allé au contact. Donc il était en position d'hors-jeu involontaire. Et voilà, encore un ballon perdu. Ce manque de cohésion là. Et encore une fois, sur une remise en jeu, en touche. Hein, on a pu en
Voilà, on a du mal sur ces lancements de jeu qui sont pourtant très très importants dans le rugby moderne. Ce sont des phases très importantes. Ah, le joueur romanais, je crois, qui est du plaquage tout à l'heure, là, qui n'a pas repris tous ses esprits. Et qui va sortir maintenant en remplacement. Je ne sais pas qui est sorti. Je crois que c'est... Je vois pas le numéro, j'espère que les téléspectateurs de Mistral TV avec les caméras ont pu voir le numéro qui est sorti. Nous allons vous donner le numéro du joueur qui rentre en jeu maintenant. C'est le numéro 17, Royer. Je crois qu'il a remplacé là. Je crois qu'il va rentrer au talonnage à la place de Larieux. Non, Larieux est toujours en jeu. Ah, j'ai un peu perdu le fil, mon cher. Mais je vois Gilbert. En tous les cas. J'ai pas vu les numéros de joueurs. On va se recentrer peut-être sur cette mêlée romanaise maintenant qui va être jouée par notre ami Faltrep là. Avec introduction pour Faltrep. Faltrep, ouais, plus précisément. Voilà, la mêlée est en place. Voilà. Bonne résistance romanaise, là le ballon est disponible. Voilà, ça sort immédiatement avec le numéro 22. Attention. Tongo. Oh là, avec un ballon qui est. Soketa maintenant un peu. Qui a failli être lobé, mais qui a bien bien interagi là pour récupérer ce ballon. Voilà, et on va se dégager du côté des damiers. Avec Baruteux là. Qui... Avec La Fontaine. La Fontaine, maintenant qui récupère et qui. Qui revient dans le trafic, mais attention, pas de se mettre à la faute. Ouais, ouais, c'est bon, c'est récupéré et pénalité. Et voilà, c'est ce que. Voilà, il s'est isolé du soutien. Et il a gardé le ballon au sol, il y a eu un très bon contest romanais là sur cette phase de plaquage. Alors on est un peu loin du côté de l'USRP là, donc je pense qu'on va tenter la pénale touche, sauf si on demande une mêlée, mais ça serait peut-être pas forcément judicieux. Non, c'est absolument pas judicieux là dans ce cas de figure là, surtout qu'ils sont dans leur camp, donc ils vont essayer de trouver une touche au plus près de la ligne de but du Rock pour récupérer, puisqu'ils ont eux paradoxalement c'est qu'ils ont un bon alignement. Et là, on entend le public romanais là, qui ronche un peu contre le juge de touche. Il n'a pas l'air d'accord de sa décision. C'est comme ça. Et c'est Romain qui va faire le lancer maintenant. Avec Larieux. Pour l'USRP. Voilà, une touche complète. Allez, voilà, touche lancée, très très beau lancé avec une belle prise de balle, là, avec un mol qui s'est formé du côté de Romand. Et on vient pousser, on vient alimenter un petit peu eh bien, le porteur du ballon. Et avec un ballon qu'on récupère et intervention du numéro 2 de l'arbitre. Un à l'avant là, du capitaine Souquet là, en voulant démarrer au ras de cette mêlée spontanée. Et ce sera une mêlée pour introduction pour le Rock. Maintenant... Voilà la mêlée, introduction Canberra Béro pour le Rock. La mêlée, ça rentre au contact maintenant. Ça allez, rentre. Introduction Cambé, Mathieu Canberra Béro. Ouais, une belle poussée romanais, maintenant Tia qui peut sortir. Voilà, de suite, Barre, Labi qui va pouvoir dégager. Très très loin, très très haut. Avec un ballon, voilà, attention dans au rebond. Et voilà, c'est un ballon touche. Ouais, qui. On vient trouver une très très belle touche. La bille que je sens très très en forme. Autant Bessagalé, je l'ai trouvé excellent sur la première période. Autant la bille, encore une fois, on le trouve en patron hein, un petit peu sur ce terrain là. C'est un peu le papa maintenant dans cette équipe du Rock. Ouais. Parce que c'est l'ancien. Entre guillemets, ça fait déjà plusieurs saisons qu'il évolue au Rock. Mmh. Voilà, lancé pour Roman maintenant. Ouais, très belle prise. Le mall qui se forme et ça avance de suite. Ouais, mais on est contré tout de suite, hein, tu vois.
Ils sont quand même des joueurs plus disciplinés sur le terrain là du côté du Rock. Avec voilà. De suite. Avec Kines qui remet intérieur, mais. Et ça sort encore une nouvelle attaque là de Tongo maintenant. Ou avec un plaquage là qui vient d'être réalisé de manière assez spectaculaire. Ouais, par Azarzia. Et le ballon romané. La défense qui montrait rapidement. Et on y est du côté du Rock. Attention de ne pas se mettre à la faute du côté du SRP là maintenant. Voilà, on passe au rang, on essaie d'avancer toujours avec le SRP. Qui est sorti. Et on n'avance pas beaucoup, L'USRP a du mal à franchir justement le rideau défensif. Et oui, alors du coup, eh ben, on va taper. Kines, on va taper voilà, avec un petit ballon en cloche, avec le superbe match pour Verdissa là, qui vient à nouveau bien se confronter à la défense du Rock. Mais on veille au grain, on a récupéré ce ballon, il faut le libérer tout de suite. Et aussi une pénalité, voilà qui est fait. Voilà. Pénalité pour le Rock. Voilà le joueur qui Verdissa qui s'est isolé et qui a gardé le ballon au sol. Monsieur l'arbitre sanctionne. Donc voilà, c'est dommage. Il aurait dû essayer de rester sur ses appuis. Parce qu'une fois que le joueur va au sol, c'est fini. Mais un très très beau coup d'œil là de Kines qui a vu que La Fontaine était montrée très très rapidement. Donc il a pu mettre ce petit coup de pied par-dessus et bien récupéré par Vernissa. Très très bonne vista là de Kines là sur ce jeu. Oui oui, tout à fait. Bien belle, très belle lecture en tous les cas. Et beau comportement en tous les cas aussi. Attention, voilà. ouais, si c'est bon, c'est récupéré. C'est récupéré, mais juste. Voilà, en avant. Et un avantage là en tous les cas en cours. Non, ouais. Monsieur l'arbitre, voilà, il revient sur la faute. Oh là là, mais attention Mathieu, de ne pas te blesser sur ce coup-là, il a pris carrément. Ouais, le capitaine, les deux capitaines là, Souquet. Il a pris Souquet sur sa jambe, qu'il a carrément coupé en deux. Non, ça va. Ça va, on est solide du côté de Mathieu Cambera-Biro, mais quand même. Voilà, et le ballon n'était pas sécurisé là lorsque Mathieu a reçu le ballon. Mais donc, nouvelle pénalité, on va jouer cette pénalité, Gilbert, hein, c'est ça? Il me semble que c'est une pénalité. Non, c'est sur un en avant. C'est sur un en avant. C'est sur le sauteur blanc, Romanet, Damier. D'accord. Qui a fait un en avant. Donc, ce sera une mêlée à 15 mètres. Introduction. Sur la ligne de remise en jeu, mon cher Roger. Tout à fait, Gilbert. Thierry, j'adore. Concentrons-nous, ouais. Mon cher Roger. Recentrons-nous sur le rugby, recentrons-nous sur ce beau sport qui est le rugby, sur Mistral TV bien évidemment. Et ce derby, tant attendu, oui. Par les supporters et téléspectateurs de Drôme-Ardèche. Et oui, puisque le Rock la voulte. Monsieur l'arbitre qui remet de l'ordre là, entre Ayarza et... Sans vis-à-vis là, ils ont du mal avec les liaisons. Donc voilà, on est toujours sur ce score de 19 partout. Il reste encore 3 minutes avec peut-être une ou deux minutes d'arrêt de jeu. Ça serait quand même étonnant qu'on s'en arrête là, Gilbert, sur un match nul. C'est très rare quand ça arrive. Il y a déjà eu dans cette poule justement un match nul. Entre deux équipes, j'ai plus le souvenir, je pourrais pas vous donner le. Rappelle-moi le point du match nul, ça fait deux points hein, ouais, c'est ça. C'est toujours mieux de pas perdre, hein, c'est sûr, mais bon, ça n'arrange ni le Rock ni l'USRP. Effectivement, c'est. Ça reste un derby, c'est compliqué. Voilà. Amené. Belle progression là pour le Rock. Et voilà. Et voilà, voilà. Et là, grosse poussée du Rock. Et une pénalité, Gilbert, cette fois-ci.
Ils ont, en tous les cas, on sent qu'il y a eu du travail du côté de la mêlée, du côté du mol, du côté de, voilà, de la cohésion d'équipe là, pour ces phases offensives. Et en tous les cas, c'est de bon augure parce que eh bien, on n'avait pas observé ça il y a 15 jours donc au stade de Georges Pompidou. Enfin, que dis-je, la semaine dernière. Non, c'était qu'il y a 15 jours. Le temps passe vite et je m'en aperçois encore en vous disant ça. Mais là, ce soir, on les sent quand même beaucoup plus disciplinés. Et ma foi, tant mieux hein, pour cette équipe du Roc qui devrait à un moment donné refaire surface. Et c'est peut-être après cette rencontre qu'on va les voir rebondir différemment, Gilbert. Il faut espérer pour le rugby de Romar Deschois, effectivement. Donc il risque d'y avoir une équipe déçue ce soir à l'issue de la rencontre, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On reste supporter du rugby de Romar Deschois, mon cher Roger. Donc voilà, il y a un changement à la Bardos qui vient de sortir. Elabi remplacé par Onutu. Julien, le frère aîné. Score de parité qui viendrait peut-être annoncer une fusion, Gilbert. Hein, ça, on verra. Voilà, c'est pris. Allez. Voilà, Ayerza maintenant qui continue. On continue à avancer. Ça passe par le sol maintenant. Allez, avec un ballon qui devrait être avec une nouvelle mêlée. Une nouvelle mêlée pour le Roc maintenant. Et là, tu vois, Gilbert, on se méfie du côté de l'USRP parce que c'est une mêlée introduction, le Roc. Et s'ils nous montrent ce qu'ils nous ont montré jusqu'à présent, c'est-à-dire une très très forte poussée, il y a fort à craindre pour l'USRP d'être un petit peu débordé, voire dépassé. Hein. On va voir ce que ça va donner. Ouais, on va observer de toute façon. On va voir ce que ça va donner sur cette mêlée, mon cher Roger. Voilà, Tia qui est passé en deuxième ligne avec Mouya Lagué. Après les derniers changements. On va attendre le résultat de cette mêlée, Roger. Allez, introduction, Mathieu. Alors, on vient d'arriver au terme de la rencontre à des 80 minutes. Oui. Ça serait attention aux Romanais de ne pas se mettre à la faute là sur cette nouvelle phase de jeu. Parce que voilà. Se prendre une pénalité dans les dernières secondes, ça serait difficile. On tient du côté du Roc, mais on recule. Ah, monsieur l'arbitre. Ah oui, c'est une mêlée qui est montante. Voilà, monsieur l'arbitre là est en train de gérer sa fin de rencontre. Effectivement, il a. On va attendre de nouveau introduction pour le Roc. On est sur de la gestion, je pense. Monsieur l'arbitre n'a pas voulu sanctionner sur la deuxième poussée du Roc. On va voir maintenant cette nouvelle mêlée. Il faut savoir qu'on laisse énormément d'énergie là sur ces poussées au niveau du paquet d'avant. C'est énorme. C'est des pressions énormes. Allez, grosse poussée là encore. Là, il y a un manque d'intervention de monsieur l'arbitre Gilbert. Ne pouvait pas demander d'introduire là parce que la mêlée n'était pas stable. Et le chrono qui tourne. On va voir ce que ça va donner. Un joueur blessé qui est resté au sol là, première ligne. Je crois que c'est Larieux. Ou il y a peut-être. Et on attend les soigneurs qui sont là. Et on se dirige tout doucettement vers ce score de parité entre les deux équipes là. La rencontre n'est pas terminée, comme je dis souvent, Roger. Il faut attendre le coup de sifflet final de monsieur l'arbitre. Mais quand je dis tout doucettement, ça veut dire qu'on s'approche de cette fin de match et que le score est toujours nul. En tous les cas, 19 partout. Mais j'ai bien entendu, tout à fait, hein, qu'il fallait toujours attendre le coup de sifflet final de monsieur l'arbitre. Final, hein, bien sûr. Jamais baisser les bras, je vais toujours être présent. Pareil dans le jeu, attendre le coup de sifflet, ne pas s'arrêter, même si on voit une faute, ne pas s'arrêter de jouer, ça arrive des fois. Et c'est là qu'on prend
un essai ou des points. Ouais. Effectivement. Voilà, cette mêlée, on attend. C'est l'arbitre a changé de côté. Allez, introduction Mathieu Cambera-Béraud là sur cette mêlée. Voilà qui est fait, on pousse, on tient, on avance peut-être, on tient le coup, on tient le coup. Et c'est une pénalité. C'est une pénalité pour l'USRP. Je crois que c'est le pied droit du côté du Roc. Belaouari qui a perdu son appui. Donc monsieur l'arbitre a sanctionné. Allez, attention de ne pas perdre. Heureusement qu'ils sont à quand même à 49, 48 mètres peut-être. Que dis-je, 50. C'est bien joué du côté de Roman puisqu'ils vont tenter la pénalité. Voilà, ils vont tenter cette pénalité en sachant que il est peu probable qu'elle soit réalisée, mais le compteur tourne, le chronomètre tourne et derrière le ballon sortira vraisemblablement en ballon mort, peut-être. Enfin, je pense que Sylvain va mettre toute son énergie, toute son envie sur cette dernière pénalité. Sylvain Vernissa à 60 mètres. Ce serait, je pense, un record ici à Guillermo si elle était transformée, cette pénalité. Bah, en tous les cas... Mais on joue le va-tout. En tous les Donc, cas... on va voir cette dernière pénalité. En tous les cas, il joue la gagne, Sylvain, il joue la gagne. Et attention messieurs dames, c'est la botte de la gagne, c'est la botte 60 mètres de Sylvain Vernissa qui va mettre tout ce qu'il a dans la chaussure, tout ce qu'il a dans la chaussette pour tenter et peut-être la réussir. Gilbert, non, ouais, c'est beaucoup un ballon trop court, mais attention. Attention de ne pas non plus prendre la contre-attaque derrière, voilà, et on vient mettre un ballon mort. On se contentera de cette rencontre et de ce score de parité, Gilbert, avec un score de 19 partout entre les deux équipes. Donc on se congratule et on va se risquer à une petite analyse, Gilbert. Et une petite deuxième mi-temps là des deux côtés. On a vu des joueurs qui n'osaient plus découvrir et où le jeu a été un peu verrouillé des deux côtés. On a eu une domination du Roc, mais ils n'ont pas pu concrétiser justement leur temps fort. C'est, on est retombé un petit peu dans les travers, peut-être la fatigue ou peut-être la pression. Donc je pense qu'aujourd'hui c'était mérité ce score de parité, avec des phases, chaque équipe a dominé dans ses moments forts et a pu scorer. Voilà, donc aujourd'hui match nul. Bon, enfin pour le Roc je dirais... Ce n'est pas une défaite. C'est ce que j'allais dire. Ça n'est pas une victoire. Et bon, et nos amis de l'USRP là qui se mettent un petit peu en difficulté pour la qualification avec ce match nul à domicile. Donc il faudra que la semaine prochaine, Romain a un gros déplacement à la Seine. Puisque la Seine-sur-Mer, on a vu qu'il y a 15 jours, ils ont fait tomber l'ogre albenacien. Et la grosse affiche la semaine prochaine, mon cher Roger. On va avoir Aubenas qui reçoit Chambéry. Et le Roc qui reçoit Strasbourg. Et le Roc qui va recevoir Strasbourg pour cette dernière journée de la phase aller de ce championnat de Fédéral 1. Donc on se retrouvera, je crois, la semaine prochaine au Stade Pompidou. Bien sûr, bien évidemment, Gilbert. Pour cette rencontre contre Strasbourg. Dimanche prochain, 15h, donc on vous donne rendez-vous, chers téléspectateurs, pour cette rencontre. Et c'est sur ces mots de la fin et cette très belle analyse de Gilbert que nous allons rendre l'antenne. On vous souhaite une bonne fin de soirée. On se retrouve dimanche prochain. Merci à tous, bonne soirée et à dimanche prochain. Salut Gilbert. Bonsoir, ce soir... Vos commentaires ? Ben, ce soir, je pense que les joueurs ont eu ce qu'ils méritaient. Voilà, les joueurs se font du mal depuis le début de la saison. Ils se font taper sur les doigts. Je pense qu'aujourd'hui, ils n'ont que ce qu'ils méritent. Ce match nul, forcément, on se pose des questions sur la dernière mêlée. Mais bon, on voulait venir chercher des points. On en prend deux. Je pense que, moi, je suis content pour les joueurs. Et j'espère qu'on va pouvoir travailler à partir de ce match. Le meilleur match de la saison, on peut dire. Ben bien sûr, hein. Premier match à l'extérieur, on ramène contre une grosse équipe, on ramène des points. Bien sûr, c'est un match, notre match référence. Et voilà, on va pouvoir travailler à partir de là. Le coach de l'USRP avait dit que le match n'était pas gagné d'avance, que le Roc était une équipe forte. Il avait des propos corrects. Oui, bien sûr. Après, j'ai beaucoup de respect pour lui. Je pense qu'il est... Il est humble, donc il n'a aucune prétention. Et aujourd'hui, ben, eux, ils sont cinquièmes, je crois. Donc, ils ont une belle équipe. Hein. On voit qu'ils produisent énormément de jeux. Après, voilà, aujourd'hui, nous, on était vraiment dans le dur. Et les joueurs ont répondu présent. Ils ont réussi à relever ce gros défi.
Eh ben, je vous remercie, bonne soirée. Avec plaisir. Moi, bonsoir, les commentaires pour ce soir, le meilleur match de la saison. Meilleur, je sais pas. Dans l'envie, en tout cas, dans l'enthousiasme. Ouais, ça fait 2 semaines qu'on bosse très dur. Qu'on bosse très dur et puis là, ça paye. On se fait confiance dans l'investissement. Voilà, c'est de la fierté d'avoir pris 2 points ici. Je trouvais pas le mot. C'est une grande fierté pour nous parce que c'est à Romain. Et puis, il nous fallait un match référence pour nous relancer. Et là, c'est l'idéal. Et je remercie tous les mecs pour la prestation qu'on a fait parce qu'on l'a gagné. On a pris ces 2 points à 23. D'accord, ben, je vous remercie. Quand je vois mes joueurs comme ça, je suis content. Là, je me dis, le travail, il a payé. Le mental, il est là. Le déclic, il arrive, le déclic. Le prochain, on le gagne. Le prochain match à domicile contre Strasbourg, week-end prochain, on le gagne. Ça, c'est sûr. Eh bien, on verra ça. Pour nous, c'est une victoire aujourd'hui. Une victoire. C'est l'ouverture pour la suite. C'est ça qu'il fallait. Je suis content parce qu'ils ont vraiment fait un bon match et ils se sont donnés un max. Voilà. Tout le monde disait oui. Oh, ils sont un peu affaiblis, ils n'ont pas le mental. Là, ils ont prouvé ce qu'il fallait. Voilà, et c'est une fierté pour nous. Le maillot, l'eau mouillée. Et ce mental, au 8e match, c'est mieux que rien, mais... Voilà. Bon, je suis venu justement pour les renforcer, pour le mental et la prépa physique. Et je suis content que ça a payé. Voilà, ils ont prouvé aujourd'hui que c'était des guerriers. Voilà, c'est une fierté pour le Rock. Et franchement, Strasbourg, ça va faire mal, je le sens. Voilà. Ben, je vous remercie. On est très content pour les joueurs aussi, pour les coachs et bien sûr pour les partenaires et tout l'encadrement. Oui, comme je disais, c'est le meilleur match de la saison, donc voilà, c'est une fierté. Et là, il faut franchement, on a une équipe qui a des compétences et il faut que maintenant ça se concrétise et qu'on inverse la tendance. Je vous remercie, bonne soirée. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir, un bon match ce soir. Oui, de la satisfaction pardon, dans le comportement des garçons. Et je crois que sur l'ensemble du match, on aurait peut-être mérité de partir avec quelques points supplémentaires. Mais bon, voilà, c'est dans la situation qui est la nôtre, je crois qu'on va se satisfaire de ces 2 points. Mais surtout du comportement exemplaire des garçons, qui ont proposé du jeu, de l'engagement, qui, par rapport aux autres matchs, ne sont pas mis trop à la faute. Donc voilà, donc il y a du bien, on va savourer, mais il va falloir prendre encore de nombreux points pour assurer l'essentiel cette saison, c'est le maintien. Une vitesse supérieure pour les joueurs ce soir, est-ce que ça va permettre de commencer, on va dire, pour le prochain match contre Strasbourg ? Ben, ce bon résultat, parce que c'est un bon résultat, imagine ici, donc face à une équipe qui a des ambitions en face. Hein, donc voilà, donc pour qu'on puisse, je dirais, valider ces 2 points, il faut impérativement qu'on enchaîne par une victoire contre Strasbourg à la maison. Enfin, une victoire, j'espère. Voilà, donc il faut ça appartient aux joueurs. Je crois qu'aujourd'hui, ils se sont fait eux, bravo à eux, bravo aussi aux supporters qui étaient présents en tribune et qui, à un moment donné, y ont cru aussi avec nous et qui ont encouragé cette équipe. En tout cas, je les encourage à venir nombreux dimanche prochain pour les soutenir parce que, quoi qu'il en soit, l'important, c'est d'être derrière cette équipe. Eh ben, je vous remercie, bonne soirée. Avec plaisir. Jean-Pierre, plein d'émotions là pour ce match nul finalement. Ce soir, on revient avec des points du côté de Valence-Lavoult et on est rassuré peut-être un petit peu ce soir. Oui, on est rassuré par le score, quelques points effectivement, mais surtout par la manière. Et je crois qu'aujourd'hui, on a vu une équipe qui a changé, un visage différent, de la solidarité, de l'engagement, du jeu. On était là, on était présent et on est content de ramener 2 points. On aurait presque pu en ramener plus. Oui, alors c'est vrai que ça manquait. Malgré tout, la dernière pénalité, c'est l'USRP qui l'a obtenue sans la réussir. Mais on a senti effectivement, comme tu le dis, de l'engagement, de l'engouement. Et ça change effectivement des matchs que l'on a pu voir jusqu'à présent pour le Rock. Hein. Effectivement, et un bon résultat. Il faudra confirmer les 3 prochains matchs. Déjà la semaine prochaine contre Strasbourg, à domicile. J'espère qu'on a enfin réussi à changer la tendance et inverser la dynamique et qu'elle sera positive au fil des matchs maintenant. Eh bien écoute Jean-Pierre, on souhaite effectivement que cette équipe du Rock rebondisse contre Strasbourg dimanche prochain. Merci, merci à vous. Salut. Bon Laurent, match nul qui satisfait personne ce soir, ni le Rock ni l'USRP. Malgré tout, on a senti une opposition du côté du Rock quand même ce soir, contrairement au match précédent. Et une baisse de régime en fin de partie pour cette équipe de l'USRP, c'est quoi là en fait qu'est-ce qu'on pourrait retenir de cette rencontre finalement ? Le Rock a joué son match, ils sont venus ici avec des ambitions, avec de l'envie, avec de l'engagement, on l'a vu sur l'entame. En deuxième mi-temps, on joue dans notre camp pendant 35 minutes. Donc on a manqué je pense d'envie, on a peut-être pas traité ce match comme il le fallait. C'est un derby c'est spécial, c'est spécifique. L'année dernière on relance la saison du Rock, cette année ils partent avec 2 points à Romans,
on match nul contre le dernier de la poule, bah, c'est absolument pas satisfaisant. Malheureusement, ça nous éloigne de la quatrième place, qui est aujourd'hui tenue par la Seine, qualificative pour l'accession au Pro D2, qui s'éloigne malheureusement assez rapidement. Et à mon avis, ça va être compliqué d'aller chercher cette quatrième place. Pourquoi ça va être compliqué? Dis-nous un petit peu. On a un match très difficile à La Seine, qui est un concurrent direct pour cette quatrième place la semaine prochaine. Donc un match à l'extérieur après une grosse trêve. Et puis après, on reçoit des leaders. On va jouer à Aubenas, on reçoit Bourg-en-Bresse, on reçoit Chambéry. C'est compliqué. On va à Strasbourg, qui chez eux, bah, ils sont pas mal. Hein. Ils ont des victoires, ils ont des matchs nuls. Donc contre des leaders de la poule, ouais, ça va être difficile cette année. Très difficile. Le résultat aujourd'hui est caractéristique de ce début de saison et pas à la mesure de l'engagement des partenaires, de l'engagement de la municipalité, de l'engagement de l'ensemble de l'encadrement. Je suis très très déçu, c'est très décevant. On a vu un piètre match de rugby et malheureusement j'ai l'impression que c'est monnaie courante. Bien, merci Laurent en tous les cas pour ces sentiments. Merci.